Qu'est-ce que tu cherches? OK. Ben, mec, que tu sois seté, fais-moi signe. Tu vas-tu t'en occuper ou tu veux que je m'en occupe? J'ai mon cue. Bienvenue à tous à la 6e édition du concours d'entrepreneuriat agricole de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Sur les traces de Louis Hébert. Mon nom est Claude Asté. Ça s'écrit avec un Y, mais ça se prononce comme parté. Ça se prononce pas Asti, ça se prononce Asté. Fait que ceux qui auraient des envies pendant la journée, n'oubliez pas ça. Donc, merci au comité organisateur de me permettre le plaisir et le privilège d'être votre hôte pour la seconde fois pour ce concours-là. C'est toujours intéressant et très agréable de côtoyer notre élève agricole. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas de consigne particulière là, au départ. On essaye de se tousser dans le coude. C'est tout ce qui nous reste là, actuellement. Donc, ce concours est organisé par le comité établissement transfert de la relève agricole de la capitale nationale, qui regroupe des organismes clés en développement agricole de la région. Et il est financé dans le cadre d'une entente sectorielle, l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région, de la capitale nationale et de la ville de Lévis. L'objectif de concours, évidemment, c'est de soutenir l'entrepreneuriat agricole et stimuler les projets d'établissement sur le territoire de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Je vais inviter directeur du réseau AgriConseil préféré, Sylvain Leclerc, pour nous parler des prix que ces gens-là vont se mériter, là, et les participants et les finalistes. Merci, Claude. Bonjour, cher public. Salutations aux juges et surtout à nos candidats finalistes. Durant ce processus-là, nos candidats ont reçu différents prix. Ils vont aussi recevoir différentes bourses. Nos candidats ont reçu un prix pour valeur de pitch de vente. ensuite de ça, nos candidats vont recevoir aussi un prix du réseau AgriConseil de 500 $ chacun pour un suivi avec
dans le programme Service Conseil pour des services qui vont vouloir, peu importe lesquels, dans les deux prochaines années. Vous pourrez venir me voir plus tard à ce niveau-là. Ensuite de ça, nos candidats ont reçu aussi un prix de 2 500 $, un accompagnement avec un agroéconomiste qu'on leur a donné. Puis finalement, nos candidats vont recevoir une super bourse à la fin. Le premier prix sera un prix de 5 000 $, le deuxième prix un prix de 3 500, le troisième prix un prix de 2 000 et aussi un quatrième prix de 1 000 $. Nos candidats vont recevoir aussi la possibilité de recevoir le coup de cœur du public. Vous, le public, vous allez voter un petit peu plus tard. Donc, il y a un nouveau prix de 500 $ qui va leur être remis à celui qui va avoir le plus de votes. Fait que là-dessus, mes salutations, puis bonne chance, puis bonne finale. Merci, Sylvain. M'entendez bien? Je m'entends pas à travers le micro. J'ai une bonne voix, normalement. D'abord, je veux vous présenter nos invités pour la journée. On a avec nous Mme Virginie Simard, de la financière agricole, M. Yves Laurencel, le président de la Fédération Capitale Nationale Côte-Nord, qui est où? Il est là, Yves. Et Dominique Hamel, notre directeur adjoint du MAPAC pour la région de Chaudière-Appalaches, Capitale Nationale. Et M. Pierre Tremblay, qui, lui, a plusieurs chapeaux, là, j'espère. Je vais certainement en oublier, mais maire des Éboulements, préfet de Charlevoix et surtout président du comité directeur de l'entente sectorielle. Les autres chapeaux, ben, vous en parlerez. C'est ça quand on s'implique dans la vie. Donc, je veux aussi, je manque pas de saluer les gens qui nous suivent actuellement ou très bientôt sur Facebook. Je ne sais pas si, Sylvain, est-ce qu'on est en live sur Facebook? Alors, salut maman. Et merci d'être avec nous. Je vais inviter immédiatement M. Tremblay pour nous faire un petit mot, là, prendre la parole. Là. Comme je vous dis, M. Tremblay est président du comité directeur pour l'entente sectorielle. Merci. Alors, bonjour à tous, chers invités. Je vous salue également, membres du jury. Écoutez, la volonté du Forum des élus de la Capitale-Nationale de doter la région d'une stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires a permis la signature de 2 ententes avec 13 partenaires qui se terminent le 31 décembre cette année. Devant les succès de ces ententes, les mêmes partenaires sont sur le point de signer une troisième entente. Alors, depuis l'apparition de la première entente sectorielle du développement des activités agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis, depuis 2017, qui comporte 5 chantiers dans sa dernière version, le concours sur les traces de Louis Hébert du chantier La relève entrepreneuriale est un projet distinctif, enrichissant pour le monde agricole. Alors, l'entente est heureuse de participer financièrement, d'aider à concrétiser les rêves de futurs jeunes agriculteurs et agricultrices dans notre belle région. Pour avoir déjà passé par certaines de vos démarches, moi-même, et constater la fébrilité qui s'empare des finalistes, je suis certain que nous découvrirons aujourd'hui des projets emballants. Alors, je souhaite bonne chance aux finalistes de cette 6e édition. Merci et bonne journée. Merci, M. Tremblay. Je vais passer maintenant au déroulement du reste de l'après-midi. On va voir tour à tour les finalistes. D'ailleurs, je vais demander aux finalistes, avant que les présentations commencent, de bien vouloir disposer, puis vous reviendrez chacun à votre tour. Vous comprendrez qu'on veut donner les mêmes chances à tous et pas que vous soyez trop stimulés par les autres présentations. Ça serait injuste pour ceux qui passent en premier. Donc, vous allez tous passer en premier, chacun à votre tour. Donc, chacun des participants, chacun des projets va avoir 20 minutes pour faire sa présentation.
incluant 5 minutes de questions de la part de nos juges. Après les présentations, il y aura une période de délibération des juges pendant laquelle vous aurez à voter pour votre projet chouchou, votre coup de cœur, et pendant laquelle on aura un entretien là, ensemble. Je vous explique ça un peu plus loin. Il y aura ensuite, après délibération, la remise des prix, et vers 16 heures, peut-être 16h15, compte tenu du fait qu'on est, on a avancé un peu l'heure du début, on va avoir un 4 à 6 réseautage au pub de l'université, si vous voulez vous joindre à nous. Parlant des juges, on devait avoir 5 juges, malheureusement, par les temps qui courent et toutes les choses qui courent. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui courent actuellement. On en a 2 qui, malgré qu'ils ont fait un travail en coulisses, n'ont pas pu se présenter, le représentant de Desjardins et notre entrepreneur agricole, Patrick Soucy, n'ont pas pu se présenter pour des raisons que je ne vous expliquerai pas, là, c'est plus des raisons de santé. Malgré tout, j'ai compris qu'ils ont quand même travaillé sur les dossiers, sur une partie des dossiers, et on a la crème de la crème qui est restée avec nous, qui va terminer la job, si je peux dire. Donc, il y a parmi nous Daniel Carrier, qui est coordonnateur et professeur au département de gestion et de technologie agricole du Cégep de Lévis. Madame Fanny Lepage, qui est professeure adjointe au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Si on faisait un acronyme de tout ça, je ne sais pas ce que ça donnerait, je n'ai pas essayé, là. C'est trop long. Et on a aussi David Tremblay, qui sera le représentant des juges pour les décisions à la fin, et qui est enseignant au programme ASP, lancement d'une entreprise au Centre de formation professionnelle Maurice Barbeau, et chargé de cours, au Cégep de Limoilou. Alors, merci d'être parmi nous pour faire ce travail. Donc, nous avons 4 projets. Là, les finalistes nous ont quittés. Je ne les vois plus. Là. Ah, je vais le dire. Ce ne sera pas long, Cassandre. Donc, on a 4 projets. Le premier projet, celui de Cassandre Masson de l'entreprise Le Beau Chaos. Cassandre est accompagné par son agronome, M. Antoine Hamel, qui est agronome chez Agrigo Conseil. Le deuxième projet, Fanny Rouleau et Guillaume Landry de l'entreprise Fermette la Joyeuse sont accompagnés par M. Jean Lecourt, que je n'ai... Ah, il est là! Je ne le voyais pas avec la lumière. Salut, Jean! Donc, accompagné de Jean Lecourt, des services conseil agricole Jean Lecourt. Talusier, je ne sais pas s'il est arrivé finalement, Talusier, il est arrivé. Talusier Arbour-Lassalle de l'entreprise Hydromel Stoneham. Il est accompagné de l'agronome Mme Maryse Turgeon, agronome chez Maryse Turgeon. Pigeon. J'ai dit Turgeon, hein. Je me suis dit, ça, c'est le genre d'affaires qui arrive en animation. Je connais une Maryse Turgeon et je me suis dit, il ne faut pas que je fasse ça. Je l'ai écrit en gros, je l'ai fait pareil. Mille excuses. Donc, il y a aussi le projet de Marie-Lisanne Boily et Pierre-Luc Tremblay de Verger des Champs. Ils sont accompagnés par l'agronome Mme Marie-Andrée Gagnon, agronome chez Agrigo Conseil aussi. Avant d'inviter la première candidate à nous faire son à nous présenter son projet, bien, vous savez que cet événement-là ne serait pas possible aujourd'hui sans le concours historique de notre colonisateur préféré. Comme le temps s'y prête, ceux qui me connaissent savent que pendant le mois de décembre en particulier, bien, j'ai une poussée anormale de la barbe. Les joues me rougissent un peu, ce qui fait que je deviens comme porteur de la magie de Noël. Juste une seconde.
Et comme on a de la difficulté à faire revenir dans le temps notre colonisateur Chouchou, bien, je vais utiliser la magie de Noël aujourd'hui. Je vais mettre mes lunettes de Noël, c'est bien important parce qu'on ne voit pas la même chose avec. D'ailleurs, je ne vois pas grand-chose avec. Merci. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on ferait pas, hein? Donc, je vais essayer de ramener à notre époque notre apothicaire, épicier, marchand, entrepreneur agricole préféré, mais surtout, et j'ai nommé, le Seigneur Louis Hébert lui-même. Alors, M. Hébert, le voilà qui entre parmi nous. S'il vous plaît, on l'applaudit. Ah ben! Bienvenue parmi nous. Ben, merci! Ah ben, Claude, avec toute sa magie! Merci! Hey! On peut l'applaudir! Wow! Ben, je suis heureux d'être ici. Et un événement en plus qui porte mon nom, ici à Québec. Qui plus est, on encourage les entrepreneurs à suivre mes traces. Ha! Mais quelles traces! Laissez-moi un peu me présenter et voir, ben, quel a été mon legs pour la postérité. Premièrement, qu'est-ce qui m'a amené ici en Nouvelle-France? L'appel du grand lard. Que c'est que ça venait de mon fond, puis que je ne pouvais pas m'empêcher de prendre le bateau pour traverser l'Atlantique. Mais non, 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 je vais vous donner la vérité comme elle est. Puis si j'ai traversé, c'est parce que je voulais me sauver de Paris, sauver de la misère, puis de la pauvreté dans laquelle mon père m'a laissé à sa mort. C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais parce que finalement, j'ai réalisé que mon père m'a fait le plus beau cadeau, la plus belle richesse qu'il ne pouvait pas y avoir. Il m'a induit l'idée de suivre ses traces pour devenir moi-même apothicaire. Ben, c'est-à-dire de pouvoir guérir les gens à même la magie des plantes. On dit de la magie dans ce temps-là. On pensait que c'était de la magie, mais... C'est d'ailleurs ce métier d'apothicaire qui m'a permis, imaginez, de sauver le fils du grand chef amérindien ici à Québec. Ben, ça m'a permis d'aller chercher tout le respect et toute l'aide que j'avais besoin, bien sûr. Puis c'est comme ça que durant plusieurs années, j'ai mené deux métiers de front, apothicaire puis cultivateur. Ma Marie puis moi, on a cultivé la terre, les légumes, le maïs, ben, on a cultivé des enfants et tout. Hey, le plus vieux, notre aîné, a été d'ailleurs le premier Français à venir au monde, ici en Nouvelle-France, puis à rester vivant, bien sûr. Je pourrais même parier que parmi vous autres, puis même vous autres, ben, qu'il y en a une gang qui ont encore du sang des épères dans le corps. En résumé de tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui m'a permis de pouvoir m'établir comme étant le premier colon à pouvoir vivre de son agriculture ici, puis même de devenir seigneur, de connaître la prospérité, même si j'étais parti avec pas une scène dans les poches, bien, c'est parce que j'ai développé mes talents, mes connaissances, puis je les ai partagés à ma famille, aux Amérindiens, puis à toutes les autres colons qui sont venus s'établir. Puis c'est ça que j'ai le goût de dire à tous nos entrepreneurs. Si vous voulez suivre mes traces, bien, soyez généreux de vos passions, de vos connaissances, de vos compétences, puis offrez-les au plus grand nombre. C'est ça. C'est ça, suivre mes traces. Puis là, étant donné que ces quatre entrepreneurs-là sont ici aujourd'hui, pour moi, ça veut déjà dire qu'ils sont gagnants. C'est pas n'importe qui. Je vais avoir besoin de vous autres pour les célébrer. À toutes les fois qui vont venir présenter, à la fin de la présentation, quand tout sera fini, juste avant de les laisser partir,
je reviendrai lui dire un petit mot sur ce qu'ils m'auront inspiré. Mais là, je vais avoir besoin de vous autres, parce qu'on va lui faire trois grands hurrahs. Puis ça, moi, je vais faire hip, 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 et vous allez crier hurrah. Trois fois. Là, ils sont pas là, on va se pratiquer. Êtes-vous prêts? Oui. Hip, attends, on va être quatre, pas plus. Êtes-vous prêts? Oui. OK. Hip, hip, hip! Ouah! Hip, hip, hip! Ouah! Hip, hip, hip! Ouah! S'ils partent pas de là avec un maximum d'énergie, c'est comme de rien. On est prêts à les accueillir, puis moi, je les écoute. Allons-y, bien, merci, Monseigneur. Restez parmi nous, sauvez-vous pas. Donc, on va accueillir notre première candidate, qui est Mme Cassandre Masson, de l'entreprise Le Beau Chaos, dans Portneuf. Cassandre va nous démontrer qu'on peut passer par Le Beau Chaos pour vitaliser des personnes aussi bien que revitaliser l'environnement. Alors, Cassandre. Oui, non, mais on attend. Ah, il nous manque un jeu. Ouais. Parfait. Ça, c'était moi. Durant 2 ans, sur une île dans l'Arctique, avec ma famille puis 80 autres personnes. Complètement déconnectée de tout ce qui m'était familier. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est ma crédibilité à moi, puis celle du succès de ma ferme florale, Le Beau Chaos. Mon histoire, si on devait la résumer avec juste quelques mots, ça serait probablement sacrifice, adaptation et résilience. Et c'est exactement pourquoi mon projet va être un succès. Plus que mon DEC, plus que ma formation en floriculture, moi, ma famille, mes amis, ma coach, les gens derrière les organismes qui m'ont mis sur scène aujourd'hui, puis l'achat d'une propriété agricole à Saint-Raymond, dans la région de Portneuf. Avec tout ce qu'on aurait pu choisir d'y faire pousser, pourquoi les fleurs? Parce qu'avec l'intérêt grandissant pour l'achat local et les produits éco-responsables, il y a vraiment un besoin à combler dans l'industrie de la floriculture. La majorité des fleurs coupées, vendues au Québec, sont importées, remplies de pesticides, puis ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos maisons. Lorsque c'était le temps de choisir notre production, on s'est simplement laissé inspirer par la beauté de l'endroit. 75 acres de forêt, des clairières fleuries, une grande biodiversité animale et végétale, pas de voisins à proximité et pas d'autres entreprises similaires dans la région de Portneuf. Ce qui différencie Le Beau Chaos des autres fermes florales qui sont établies au Québec, c'est vraiment notre culture d'entreprise qui donne le ton à nos produits et à nos services. La romance, le charme, la séduction, les arts, notre amour pour les fleurs vivaces, haut de gamme, comme la rose et la pivoine. En fait, nos compétiteurs misent beaucoup sur une approche qui est très familiale, tandis que nous, on mise sur une clientèle féminine d'âge mature. Nos clientes aiment le beau et le bon, puis sont prêtes à payer un peu plus pour des produits chouchous puis des services personnalisés. On veut développer avec elles une relation de proximité et c'est vraiment pour ça qu'on mise sur la vente directe comme stratégie de commercialisation. Ce qu'on cherche à faire à notre clientèle, c'est vraiment des fleurs qui sont imparfaitement parfaites. C'est rien à voir avec ce qu'on peut retrouver à l'épicerie ou chez la majorité des fleuristes. C'est vraiment ça qui fait tout le charme du modèle d'affaires de fermière fleuriste. À nos fleurs coupées, on va ajouter une gamme de produits, dont des produits dérivés pour la maison, un service d'autocueillette de bouquets. Et on va également organiser des événements inédits à nos jardins qui vont être axés sur le bien-être,
se reconnecter à la nature, se faire plaisir. Mais avant d'en arriver là, faut pas oublier qu'on est une entreprise familiale qui porte un projet professionnel. C'est pour ça que notre première saison, on a vraiment planifié une saison, une production qui est modeste, puis des objectifs financiers qui sont réalistes versus la possibilité de rendement. Pour mettre ça en termes plus concrets, pour la première année, on va cultiver sur une surface nos fleurs annuelles qui est d'environ un quart d'hectare pour une possibilité de 4500 bouquets de fleurs. Par contre, nous, notre objectif pour la première année, il y a seulement 200 bouquets de fleurs avec environ une soixantaine de couronnes de sapinage pour la période des fêtes. Pour un revenu juste en dessous des 15 000 $ versus un potentiel de plus de 150 000 $. Le défaut de notre stratégie, c'est sûr qu'on n'est pas capable de rentabiliser rapidement nos investissements, puis que nos charges fixes nuisent un peu à notre état des résultats. Mais c'est un sacrifice qu'on est prêt à faire pour les premières années pour la conciliation travail-famille. C'est à noter aussi que le salaire, le travail extérieur de mon conjoint, il couvre pour l'instant notre coût de vie. Aussi, dans le plan d'affaires, malgré que nos chiffres soient basés sur un budget qui est à croissance modérée, on peut voir que dès la troisième année, je suis capable d'avoir un revenu au-dessus des 10 000 $ sans que l'entreprise soit en déficit. Je m'arrête ici avec le blabla de chiffres parce que j'ai plutôt envie de terminer en vous disant que ce que j'ai retenu d'être isolée au 72e parallèle, c'est vraiment que la connexion à la nature, c'est crucial à notre bien-être, mais à condition de ne pas négliger pour autant les connexions humaines. Puis c'est vraiment pour ça que j'ai bâti mon projet avec les deux en tête. Je pense qu'après les dernières années, on a tous envie de beauté, de se reconnecter entre nous, de se faire plaisir, de faire des rencontres enrichissantes, puis d'être bien. Puis c'est vraiment ce que mes fleurs et moi, on veut vous offrir. Merci pour votre écoute. Un grand merci, merci pour votre présentation. Une des particularités de votre projet et de votre vie que vous nous avez présenté dans votre plan d'affaires, c'était que vous avez déjà mené des projets en entrepreneuriat. Oui. Puis ça nous a intéressé. On s'est dit, waouh, tu sais, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Fait. On aimerait savoir, qu'est-ce que vous retenez des projets entrepreneuriaux que vous avez menés dans le passé? Bien, que c'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail, justement, qu'il ne faut pas renoncer tout de suite. Il faut beaucoup se remettre en question. Ça se peut que, de la première fois, on ne trouve pas la bonne méthode de procéder. Il faut juste repenser un peu nos façons de faire, s'ajuster. Et des fois, on pense qu'on connaît tout, puis dès le début, on va avoir la meilleure stratégie. Puis des fois, il faut juste être humble puis d'accepter que non, c'est peut-être pas le cas. Très bien, merci. Bien, bonjour. Dans ton plan d'affaires, tu mentionnais que tu vas offrir des fleurs, des produits de luxe haut de gamme. Oui. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi ta définition de luxe puis de haut de gamme. Oui, bien en fait, nous, ça va être beaucoup pour les fleurs d'exception. Pour moi, les fleurs d'exception, pardon, c'est des... fleurs vivaces, comme la rose et la pivoine. C'est des fleurs qui sont parfumées, des fleurs qui ont une espèce de notoriété, une richesse. Et ben ça, c'est vraiment pour venir enrichir, en fait, donner une valeur supplémentaire à nos bouquets, oui. Mais c'est toute l'expérience aussi, puis notre compagnie qui est basée sur vraiment notre esthétique, qui est inspirée de l'époque victorienne, des grands jardins de style anglais cottage. Et pour l'instant, les produits ne vont pas arriver tout de suite pour la période 2023, mais plutôt pour 2025. Et les produits vont être vraiment dérivés avec tout ça en tête. Ça va être des produits pour la maison, puis vraiment des produits bien-être, dont des produits pour la peau, des choses comme ça. Le tout, bien entendu, inspiré de la compagnie avec notre esthétique, mais aussi nos produits, les fleurs, les choses comme ça. Ouais. OK, merci. Bonjour. Bravo pour votre présentation. Merci. Moi, j'ai une petite question, justement, pour faire suite. Vous parlez de vos produits. En fait, comment vous allez vous faire connaître votre mise en marché? Oui, donc, notre mise en marché, bien là, c'est beaucoup pour la vente directe. On a ciblé trois clients de cible. Donc, on a vraiment beaucoup pensé un peu à nos clientes. Donc, on a trois personas qu'on a créés. On a Sylvie, 65 ans, qui est une retraitée épicurienne. On a Cindy, 45 ans, qui, elle, est en
Elle a une vie urbaine et elle essaie de se reconnecter à la nature. Et on a aussi une fleuriste engagée qui veut amener plus un côté écologique à sa boutique de fleuriste. Comment qu'on va faire pour les rejoindre? Bien, en fait, qu'on a développé la compagnie, on s'est beaucoup inspiré de d'autres compagnies québécoises qui ont réussi à créer des grosses communautés autour de leurs projets, comme la compagnie, par exemple, Les Mauvaises Herbes ou la compagnie Trois fois par jour. Donc, c'est vraiment beaucoup par observation, parce que les fleurs coupées, c'est tellement un nouveau modèle émergent au Québec, c'est dur d'aller chercher des données, c'est dur d'aller chercher vraiment des statistiques sur qu'est-ce que les clientes veulent, etc. Donc, c'est beaucoup par observation, en regardant des modèles d'affaires qui ressemblent à ce que je veux offrir aux femmes, que j'ai regardé la clientèle et que j'ai vraiment basé ma clientèle sur ça. Et on va les rejoindre beaucoup par les médias sociaux. Moi qui vais faire de la promotion, vraiment, c'est mon objectif pour cet été, d'être beaucoup présent dans les marchés publics. Oui, pour commencer à vendre mes bouquets, mais pour vraiment parler du beau chaos, faire connaître tous nos produits qui s'en viennent, nos services. Donc, d'ailleurs, hier soir, j'étais à la télévision communautaire de Portneuf pour déjà parler de l'entreprise. Et c'est beaucoup ça que je vais miser là-dessus, là. Vraiment contacter des gens, leur dire que je suis là, j'existe, ma ferme, le beau chaos existe, qu'on est prêt à servir les gens, on veut leur offrir des produits et des services. C'est vraiment beaucoup en parlant avec les médias sociaux et des gens de la région. Donc, vous l'avez dit, la production de fleurs coupées, c'est quelque chose qui est assez en émergence au Québec. Donc, vous, d'où vient votre expertise en production de fleurs coupées? Mais en fait, j'ai toujours fait du jardinage, maraîchage et floral personnel. C'est sûr que du côté professionnel, c'est vraiment une première pour moi. Lorsqu'on a acheté la propriété agricole en 2021, je me suis vraiment posée, premièrement, est-ce que je voulais aller en agriculture, parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà fait. Et en fait, je suis tombée sur le modèle d'affaires de fermière fleuriste et j'ai su tout de suite que c'est ça que je voulais faire. Et je me suis donc inscrite, vraiment, ça s'est passé en couple de semaines après l'achat de la terre, je me suis inscrite à une formation en floriculture. Oui. Donc, on parlait de un des points dans le plan d'affaires, c'est on parlait de la conciliation travail-famille. Oui. Je sais que tu as plusieurs enfants. Oui, j'ai 4 enfants. Ça, félicitations là-dessus. Décris-moi une semaine typique de travail. Pardon? Décris-moi une semaine typique de travail. Une semaine typique de travail, bien, parce que tu as un conjoint, je pense, qui a un emploi aussi. Oui, pour l'instant, nous, notre demeure principale, elle est au territoire du Nord-Ouest. Mon conjoint est avec la GRC, donc ça fait 2 ans que je voyage entre le Québec et les territoires du Nord-Ouest pour préparer le projet. Donc, une vraie semaine en tant que fermière fleuriste, j'en ai pas vécu encore. On a passé les derniers étés sur la terre à commencer à préparer le projet. Mais c'est exactement pourquoi que notre production pour l'été prochain, on le voit que comparé à ce que je pourrais produire, est-ce que j'ai l'intention vraiment de me concentrer? C'est une production qui est très modeste, puis c'est vraiment pour ça. Puis si l'été prochain, je me rends compte que on est capable d'en prendre plus, puis ça va bien justement à la conciliation travail-famille, il n'y a rien qui m'empêche de dire, l'autre année, je suis capable d'en faire même plus que mes chiffres projetés. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une adaptation, puis autant au niveau de notre plan d'affaires, je veux dire, c'est tout ça qu'on a prévu pour justement que ça se fasse le plus en douceur possible avec notre famille. Mes enfants, mes plus vieux l'été vont aller au camp de jour, donc c'est sûr que je vais être avec mes plus jeunes. Je suis chanceuse d'avoir une mère à la retraite qui va toujours être présente pour venir me donner un coup de main sur la terre avec les enfants. On peut l'applaudir. Donc, c'est vraiment beaucoup, c'est là que justement la famille et les amis, ça devient important aussi, surtout en démarrage d'entreprise. On sait qu'en agriculture, la surcharge de travail, ça peut vraiment être un problème. Donc, c'est pour ça qu'on y va un peu à la fois. Merci. Petite question encore une fois pour… je reviens un peu avec la mise en marché. Comment vous voyez les étapes? Vous avez parlé d'autocueillette, vous avez parlé de marché public, vous avez parlé… Bref, comment vous voyez ça, les étapes production, commande, livraison? Comment vous allez voir… Comment vous voyez ça?
Bien, en fait, pour l'instant, pour la prochaine saison, c'est vraiment moi qui vais me déplacer au marché public, qui va vendre directement. Après ça, on va ouvrir pour l'autocueillette. Ça va être vraiment sur place, ça ne sera pas tout le temps, ça va être vraiment des journées planifiées pour l'autocueillette. Avant 2025, on compte aussi ouvrir notre boutique à la ferme. Et c'est sûr que, oui, on privilégie la vente directe, mais c'est sûr qu'on aimerait aussi avoir des détaillants participants où que les gens, par exemple, dans la région de Québec, puissent aller récupérer leurs bouquets. Je sais que c'est quelque chose qui se fait très bien présentement pour d'autres fermes florales. Donc, c'est beaucoup vraiment de miser sur les médias sociaux, d'aller en personne rencontrer les gens, rencontrer des fleuristes, aller faire des rencontres avec des gens qui ont des petits cafés, des boulangeries, des choses comme ça, puis leur dire « Je suis une fermière fleuriste, j'ai ma production de fleurs, je me cherche un endroit pour diversifier mes points de vente. » Puis, il y a vraiment, de ce que j'ai pu voir, il y a vraiment des beaux partenariats qui se développent de ça. Même ce matin, j'ai rencontré pour la première fois l'autre concurrente, Fanny Rouleau, qui me parlait déjà d'un partenariat futur peut-être. Donc, c'est vraiment, je pense que le milieu agricole, c'est vraiment un milieu qui est quand même très soudé, qui est vraiment agréable aussi de connecter avec les gens. Et, ouais. Merci. Ça fait le tour des questions. Oui. Merci beaucoup, Cassandre. Merci à vous. Je comprends que... Je comprends bien quand je vois ça, le beau chaos. L'heure d'exception, ça me fait penser un peu à mes enfants. Oui, mais c'est un peu inspiré de ça aussi, le beau chaos. Notre vie est très chaotique, mais très belle aussi. C'est ça. Cassandre, j'ai quelque chose à te dire. Oui. Avant que tu partes. Cassandre, la naissance de ton projet, c'est la preuve que du chaos peut naître le magnifique. Tu sais, c'est pas donné à tous de découvrir qui on est, de trouver sa passion, de la suivre, de faire tout ce qu'il faut, poser les actions pour être capable d'être en cohérence avec celle-ci. Mm-hmm. Ben, t'as réussi. Merci. Alors, pour ça, je te dis bravo. Non seulement tu conserves cette belle et grande nature, mais tu la rends disponible au monde dans cette magnificence des fleurs. Alors, je peux dire qu'au nom de tous, merci, parce qu'à tout le monde, tu nous fais une grande fleur. Merci, merci, merci. Pour Cassandre, hip, hip, hip! Hourra! Hip, hip, hip! Hourra! Hip, hip, hip! Hourra! Et voilà! Merci, merci. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça carré, des micros de même. Ça tomberait moins bien à terre. En roulant. Donc, merci Cassandre. On va maintenant, et merci Monseigneur qui nous a quittés temporairement. Donc, nos deuxièmes candidats sont Fanny Rouleau et Guillaume Landry de la fermette La Joyeuse, aussi dans Portneuf. Et ils nous présentent un projet d'entreprise diversifié qui vise essentiellement la joie de la clientèle. Un beau projet. Fanny et Guillaume. On est un peu en avance. C'est rare que ça arrive. Merci, Diane. Fanny, donc, je vous ai présenté... Il vous reste à faire votre pitch de vente. Merci. Prenez ma place. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Alors, pour répondre à la question peut-être que vous posez, je suis due pour accoucher dans une semaine, 6 jours. Alors, très contente d'être là. Mais tout ceci étant dit... Parfait, moi aussi je l'étais. Donc, ceci étant dit, je ne suis pas ici pour vous parler de ce bébé-là, mais bien de notre autre bébé, qui est notre entreprise, en fait, La Joyeuse. Alors, ma petite manette, la voilà. Alors, La Joyeuse, c'est une fermette maraîchère. On se spécialise dans la production de légumes, puis on offre aussi des œufs frais, puis des produits de l'érable.
On est situé à Saint-Raymond-de-Portneuf. On a acheté cet endroit-là, en fait, il y a 2 ans. Puis là où on habite, en fait, il y a la fermette. On a une érablière avec une cabane à sucre. Il y a un petit lac où on ensemence de la truite. Puis on a évidemment les bâtiments de ferme. Alors, c'est un endroit qui est super beau. Il y a des sentiers aussi pédestres. C'est magnifique. Vous êtes d'ailleurs tous les bienvenus à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, à La Joyeuse, qu'est-ce qu'on fait? On produit des légumes, surtout. C'est là où on met nos efforts, en fait. C'est pour fournir des aliments qui sont savoureux, nutritifs, mais surtout cultivés différemment. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'on cultive une agriculture qu'on dit vivante. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on met notre énergie dans la santé de notre sol. Donc, on va travailler sans produits de synthèse, on va minimiser aussi le travail du sol pour que les légumes qui en sortent de là soient d'autant plus nutritifs, en fait. Alors, on va cultiver sur une relativement petite surface pour produire beaucoup de légumes. Donc, notre planification puis nos successions de légumes doivent être super bien planifiées pour en arriver à une bonne production, finalement. Alors, concrètement, on va amender notre sol avec du compost qui est produit à la ferme. On va utiliser aussi le fumier de nos poules pondeuses, utiliser aussi le fumier de nos futurs cochons. Donc, tout ça, idéalement, en cycle fermé. Donc, on veut minimiser les produits qui viennent de l'extérieur, puis surtout utiliser les produits qui viennent de la ferme, finalement, en cycle fermé, comme je disais. Comment on fait ça? En fait, notre mise en marché, on va offrir nos légumes en panier de légumes, puis en kiosque aussi. Alors, un kiosque à la ferme, un kiosque aussi à l'extérieur de la ferme, où les gens vont pouvoir venir s'approvisionner. Donc, on vise surtout la clientèle de Saint-Raymond, puis surtout aussi la clientèle du lac Sept-Îles. Pour ceux qui sont familiers avec la région de Portneuf, c'est un endroit qui amène beaucoup de gens de manière saisonnière. Donc, le lac Sept-Îles, on veut aller desservir cette clientèle-là qui, pour l'instant, en fait, n'a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de ferme qui se spécialise avec cette clientèle-là. Comment on s'y est pris jusqu'à présent? En fait, en 2021-2022, cet été, on a fait beaucoup de tests de planification, tests de production, sur une petite surface, puis on a surtout préparé nos installations, en fait, pour augmenter notre production l'année prochaine. Alors, nos jardins vont avoir 7 fois la superficie qu'on avait cet été pour avoir une production qui fait plus de sens, finalement. Puis, on a préparé aussi nos bâtiments pour être capable de travailler plus efficacement, puis être capable aussi d'être capable de faire notre job, finalement, de manière plus efficace. Donc, avec une chambre froide, d'optimiser, merci. Chambre froide, salle de conditionnement, aussi des légumes, puis un kiosque, justement. Financièrement, on planifie. En fait, on a eu beaucoup de subventions gouvernementales jusqu'à présent, ce qui fait qu'on ne part pas de dette. On est propriétaire aussi de notre terre. Alors, on planifie une rentabilité financière à partir de l'année 1, donc l'année prochaine, finalement. Pour réussir, on s'est entouré de gens clés. Donc, on a travaillé avec des agronomes, agroéconomistes, comptables. On a aussi un bon réseau avec les agriculteurs de la région de Portneuf. On a suivi aussi la formation, donc formation à l'université en agriculture biologique, puis la formation aussi en administration. Puis, on fait aussi des formations en ligne avec des piliers de l'agriculture, finalement. Puis, parlant de réseau, on s'assure de rester aussi bien smart avec nos familles, nos amis, pour bénéficier de leur aide occasionnelle, finalement. Ce qu'on fait aussi pour réussir, en fait, je parlais qu'on s'entoure, puis en fait, on veut aussi être bien présent sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître, bouche à oreille aussi. Puis, surtout, on veut créer une fête annuelle à la ferme, donc une tradition qui va s'appeler la fête des récoltes, où est-ce qu'on veut que les gens viennent chez nous, viennent se rassembler autour d'un bon repas qui va avoir été créé avec des produits de la ferme. Ce qui se veut donc un événement qui va être rassembleur, où est-ce qu'on veut que les gens viennent s'approprier la ferme, viennent profiter des installations autour d'un bon repas, finalement. Puis d'ailleurs, en ce sens, on veut officiellement aller chercher le côté agro-touristique dans 3 ans, justement, pour aller chercher cet aspect-là, où les gens vont officiellement pouvoir venir visiter nos animaux, venir marcher dans les sentiers, peut-être de la pêche à la truite, on verra rendu là, mais c'est quelque chose qu'on veut explorer. Pour les 3 prochaines années, on se concentre sur notre production de légumes, mais sinon, c'est quelque chose qu'on a en tête assurément. Donc, voilà, La Joyeuse, c'est ça. C'est une fermette qui produit des bons produits, où est-ce qu'on veut que les gens viennent nous voir, viennent chercher des bons légumes, se rassembler, puis profiter des lieux, puis venir nous voir, puis être joyeux. Voilà.
Des questions? J'avais oublié de vous présenter, mais c'est Guillaume, mon chum. C'est notre entreprise dans les deux. On voit que les deux ont des rôles différents. Alors, bravo pour votre présentation. En fait, vous parlez de paniers, de légumes, tout ça. Donc, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous placez dans vos paniers? En fait, ça va être une variété. Déjà, on va cultiver environ 20 à 30 variétés de légumes différents. Alors, à chaque semaine, on veut fournir une variété qui va être différente, finalement. C'est sûr, avec les classiques, là, carottes, tomates, laitue. Mais autrement, à chaque semaine, on veut essayer de créer une variété. Puis, on va bonifier ces paniers-là avec nos produits de l'érable, justement, nos œufs. Puis, voilà, ça va être des paniers de légumes et de produits classiques. Voilà pour les paniers. Sinon, en kiosque, on aimerait peut-être aussi bonifier avec des producteurs pour aller chercher, par exemple, des fruits ou des baies là, qui sont disponibles dans la région, donc pour bonifier cette offre-là, finalement. OK. Merci. Pour continuer sur la question des paniers, ça va être quoi le prix de vos paniers puis comment vous allez déterminer le prix de vos paniers? En fait, le prix va être fixé selon ce qui est offert par la concurrence puis par des produits qui vont avoir été cultivés sensiblement de la même manière que nous. Puis, donc voilà pour le prix de base. Autrement, pour nos paniers, on vise à avoir trois formats. Donc, un petit format, format régulier, puis un format qui est familial. Donc, c'est cette façon-là qu'on va faire notre mise en marché, finalement. Puis, si on va aller un petit peu plus loin, le prix de la concurrence pour des produits similaires, vous allez le trouver comment? En fait, on s'est... dans les kiosques, actuellement, on peut voir un peu le prix qui est offert là, pour être des consommateurs nous-mêmes de ces produits-là. On voit de quelle manière les prix sont fixés, mais en fait, la hauteur des prix, finalement. Puis aussi dans la littérature, par exemple, avec Jean-Martin Fortier, il propose des prix pour chaque produit. Donc, on se base là-dessus. Puis, on se base aussi sur nos coûts, les coûts qu'on a aussi à la ferme, évidemment, pour assurer une rentabilité là, de nos légumes, finalement. Super, merci. Alors, bonjour, toujours dans la même lignée des questions. Vous parlez que vous allez vendre un certain nombre de paniers par semaine dans la région là, de Saint-Raymond puis du lac Sept-Îles. Avez-vous déjà sollicité des clients? Avez-vous des listes de clients potentiels? Oui. En fait, je mentionnais qu'on a, cet été puis l'année passée, on a testé des choses. Évidemment, on a vendu aussi déjà des légumes, donc des paniers. C'était pas sous abonnement, étant donné qu'on n'était pas certain de notre production. Donc, on ne s'est pas engagé à offrir des paniers à chaque semaine, mais on était capable quand même d'en avoir d'une manière quand même assez régulière. Donc, on a ces clients-là qui sont à ce jour très satisfaits de ce qu'ils ont reçu. Puis, on veut y aller aussi beaucoup par bouche à oreille. On a le projet aussi de peut-être s'installer dans le club nautique. C'est un endroit du lac Sept-Îles, justement, où il y a un projet d'envergure pour rénover les installations puis le rajeunir. Puis, on planifie peut-être... c'est notre projet de les approcher. Là, on est déjà en discussion pour peut-être s'installer à cet endroit-là puis desservir cette clientèle-là. J'ai encore une petite question par rapport à ce que je viens de nommer, puis ça fait suite aussi à ce que ma collègue elle a dit. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans ce coin-là? En fait, à Saint-Raymond, il y a beaucoup de producteurs qui viennent de hors Saint-Raymond, en fait. Il y a beaucoup de producteurs de Saint-Basile, Pont-Rouge, mais à Saint-Raymond même, il y a, à notre connaissance, peut-être une petite ferme qui sont dans la permaculture, donc qui est une manière différente de cultiver. Ils sont très, très petits, mais autrement, à notre connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc, évidemment, il y a de la concurrence qui vient de l'extérieur, mais comme tel, si les gens de Saint-Raymond, nous, on pense qu'ils vont vouloir encourager local parce que on est dans une nouvelle ère. Alors, on pense qu'on a cet avantage-là, justement, en venant du coin directement. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez un projet d'agro-touristique d'ici 3 ans, mais quelle est votre vision d'entreprise, mettons, 5-10 ans? Super bonne question, parce qu'évidemment, on rêve, c'est le fun. Donc, pour l'instant, disons court terme, 0-5 ans, on se concentre sur notre production actuelle de légumes.
Après ça, bon, 2025-2026, on aimerait se lancer, comme je le mentionnais, puis comme votre question le mentionne aussi, dans l'agrotourisme, ce qui veut dire qu'on aimerait faire en sorte que les gens viennent visiter donc nos animaux. Donc, par exemple, avec des forfaits familiaux, avec les écoles aussi. Il y a 2 écoles primaires à Saint-Raymond où est-ce qu'il y aurait un partenariat qui est possible avec eux pour des visites scolaires. Donc, c'est surtout en ce sens-là, finalement, pour l'agrotourisme. Puis, si éventuellement la ville le permet, c'est quelque chose qu'on a en tête aussi, justement, à plus long terme, justement, le 5-10 ans. On habite sur une terre de 30 arpents où il y aurait des endroits stratégiques où est-ce qu'on pourrait peut-être bâtir des mini-maisons ou des espaces locatifs, parce que Saint-Raymond, c'est une ville qui est en... Le tourisme est vraiment en essor, par le plein air, entre autres. Puis... Donc, d'offrir un site d'hébergement où les gens peuvent venir, justement, ça fait du sens pour nous. Puis, on pense que ça fait du sens aussi pour la ville. Alors, c'est un autre aspect qu'on aimerait voir. Juste une petite précision. Vous avez parlé de continuer la production actuelle, mais quelle est la superficie actuellement qui est utilisée? Pour l'instant, cet été puis l'été passé, on avait un 3000 pieds carrés. Là, je suis en pieds carrés. Là, des fois, c'est en or et en arpent. Ça vous va, pieds carrés? puis, cet été, on a bûché, en fait, tu me corrigeras, 20 000 pieds carrés de plus? On a rajouté environ 22 000 pieds carrés à nos jardins actuels, qui mesuraient environ 3 750 pieds carrés avec nos petites serres qu'on avait déjà. Puis, notre objectif l'année prochaine, c'est de tomber à environ 9 000 pieds carrés, qui va tripler notre offre qu'on avait déjà. Puis, l'année suivante, on veut aller à la pleine capacité, qui est d'environ 25 000 pieds carrés. Mais il faut toujours tenir compte qu'en ayant une approche qui est bio-intensif, on fait environ de 3 à 4 successions sur le même pied carré de culture. Donc, c'est comme si on avait réellement 100 000 pieds ou ce qu'on était capable de produire pour notre saison. Merci. Dans votre plan d'affaires, vous mettez beaucoup l'accent sur la qualité de vie. C'est tout à votre honneur, hein, bien entendu. Mais moi, quand je pense entrepreneuriat, démarrage, agriculture, parents de jeunes enfants, bon, ça fait beaucoup de choses. Fait, la qualité de vie, c'est quoi votre définition à travers tous ces beaux projets-là de votre qualité de vie? En fait, on veut y aller doucement à travers tout ça, parce qu'effectivement, sur papier, ça peut faire peur, puis effectivement, on s'est fait peur, mais sinon, déjà, par exemple, pour l'année prochaine, on a l'espace culturel est prêt, mais on décide de cultiver sur une plus petite surface, justement, pour pas se ramasser puis s'écœurer au début. Donc, on veut y aller doucement. Puis la manière qu'on a aussi fait nos investissements, bien, on n'a pas cette pression-là de devoir cultiver à 100 % puis de mettre notre énergie, 200 % de notre temps pour arriver aussi financièrement pour notre coût de vie, finalement. C'est comme ça un peu qu'on le voit. C'est d'y aller selon ce qu'on va être capable de faire, sans pression, justement, puis c'est ce qu'on est arrivé à le faire jusqu'à présent. Mais on est conscient aussi que la vie d'agriculteur, c'est une vie qui peut être difficile, mais on essaie de bien s'entourer avec un bon réseau pour être capable de le faire, finalement. Puis on est ouvert également à avoir peut-être éventuellement des employés. Fait qu'on verra comment ça se présente, mais c'est un petit peu comme ça. On voit pas notre entreprise avec cette pression-là de devoir, finalement, créer beaucoup de légumes, puis à tout prix, finalement. Non. Okay. On veut, c'est ça, garder l'équilibre. Puis si je peux rajouter aussi... Pour nous, la qualité de vie, ça implique aussi d'avoir notre bureau dans notre cour arrière. Ça, pour nous, ça n'a pas vraiment de prix. Le fait de travailler à l'extérieur, l'aspect qualité de vie pour Fanny et moi-même, c'était pour moi surtout. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit de travailler à l'extérieur dans la forêt. Fait que, jusqu'à présent, j'ai pas encore travaillé chez moi. Je m'amuse. Donc, pour nous, c'est surtout ça, la qualité de vie aussi. Super. Vous avez choisi le statut juridique, la société en nom collectif versus l'incorporation. On se demandait pourquoi. On s'est fait conseiller par un comptable comme quoi c'est la forme juridique la plus simple, finalement. Fait que ma réponse est peut-être un peu simpliste, mais c'est pour une question de simplicité fiscale, finalement, et comptable. OK. On a une entente quand même entre associés pour être certain si jamais, bon,
on se sépare. qu'est-ce qui arrive? Mais oui, on a essayé de penser à tout, mais c'est sensiblement pour ça. C'est une question de simplicité fiscale. OK, merci. Ça fait le tour? Oui. Fait que si je comprends bien, là, les œufs, de la truite, du sirop d'érable, des légumes, de la joie de vivre, des grandes tablées. Dans le fond, vous cultivez le bonheur. C'est ça. C'est ça. Le ça. Oui, la joyeuse. Hein? Ben, merci beaucoup. Qu'en pensez-vous, monseigneur? Ah oui, Claude. Fanny Guillaume, vous êtes de noble nature et d'une générosité sans bornes. Vous savez, la terre, l'eau sont deux éléments qui sont primordiaux, essentiels pour le bien-être humain. Bien, votre projet tourne autour de ces deux grands éléments-là. La terre, parce que c'est le socle de la grande forêt, et aussi où les légumes vont prendre forme, vont grandir, et on sent que vous allez faire grandir le potager, en effet. C'est aussi l'eau d'érable, hein? L'eau qui abrite les truites. Vous avez trouvé cet endroit de paradis qui fait du bien à l'âme. Et au lieu de le garder pour vous, jalousement, vous investissez temps, énergie, vos passions, pour être capable de rendre disponible au plus grand nombre. Et pour ça, ben, je vous en remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Hip, hip, hip! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hip! Hurra! Hip, hip, hip! Hurra! Merci. Merci. C'est assez inspirant. Hein? Là, je me sauve pas, là. À chaque année... Là, Claude, je ne me sauve pas. Non, c'est bon, restez avec nous. Cette fois-là. Donc, notre troisième candidat, monsieur, pourtant j'ai mis les lunettes, hein, Talusier Arbour-Lassalle. En fait, il est d'Hydromel Stoneham, dans la MRC de Jacques-Cartier. Il nous amène en safari sur le terrain de la revitalisation, mon Dieu. Pourtant, je n'ai pas encore bu d'hydromel. En famille et en pétillant. Donc, il est accompagné de l'agro-économiste, Mme Maryse Pigeon. Cette fois-là, je l'ai bien eu. Donc, je vous cède la parole. Vous avez le choix si vous voulez vous promener avec celui-là. Moi, je vais me promener. Bon. Il y a des choses sont ici, là. Je peux les installer? Quand tu veux. Oui, ça, tout le monde se demande si on va avoir de l'hydromel. J'imagine. Alors, pour moi, le rêve d'avoir mon entreprise agricole a commencé en 1998 à Simcoe, c'est dans le sud de l'Ontario. Cet été-là, je suis allé travailler dans les champs de tabac. Puis, à la fin de l'été, à la fin de la saison, j'ai rencontré un homme qui m'a demandé de l'aider pour terminer la récolte du miel. J'ai accepté, et là, il s'est passé deux choses. Premièrement, je me suis fait piquer, ça fait mal. Et deuxièmement, contre toute attente de ma part, je suis tombé en amour avec ce métier-là. Alors, je me suis mis à la recherche d'un endroit où je pourrais apprendre le métier d'apiculteur, et je me suis rendu compte qu'à l'époque, le seul endroit où s'offrait une formation de niveau commercial en apiculture au Canada, c'était au collège de Fairview, qui est dans le nord de l'Alberta. Après avoir complété cette formation-là, je me suis rendu en Californie où j'ai appris comment faire l'élevage des reines abeilles. Et je suis revenu au Québec avec mon bagage, et là, je me suis procuré quelques ruches, et j'ai commencé à mijoter un projet d'entreprise qui tournerait autour de la transformation du miel en hydromel. Alors, pour obtenir des connaissances dans ce domaine-là, je suis allé à l'ITA de Saint-Hyacinthe, où j'ai suivi une formation sur la production artisanale de boissons alcoolisées. Et j'ai continué à mijoter mon projet d'entreprise. Et maintenant, j'en ai une vision très claire que je vous présente aujourd'hui. Donc, moi, je veux faire un projet d'agrotourisme en lien avec l'apiculture. Je veux que ce soit éducatif et excitant. Je veux que mon projet ait un caractère à la fois familial et international, dans ma capacité d'attirer ces clientèles-là, mais aussi dans la possibilité d'impliquer ma propre famille dans le projet. Et je veux évidemment contribuer au rayonnement de la région où je vais m'installer,
en respectant évidemment l'environnement. Pour réaliser ce projet-là, j'ai trouvé une région, une zone dans la région de Québec où il y a des terres en friche en abondance et j'y ai accès grâce à l'organisme Arter qui me permet de rencontrer des propriétaires terriens ou mettre des ruches. Et cet endroit-là a aussi l'avantage de jouir d'un tourisme abondant à l'année. Et plus tôt cette année, j'ai fait la connaissance d'un promoteur immobilier qui est en train de construire un édifice commercial dans lequel je vais pouvoir m'installer en septembre 2023 et à proximité duquel passe une autoroute où défilent plus de 9000 véhicules par jour. Cet endroit-là, vous l'avez peut-être deviné en regardant les photos précédentes, c'est Stoneham et c'est là que je veux fonder la Maison des abeilles. Alors voici à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous viendrez me visiter. Premièrement, il y aura une exposition de photographies sur l'apiculture telle qu'elle se pratique à travers le monde, basée sur le célèbre livre « Les routes du miel », en tout cas célèbre pour moi. Deuxièmement, il y aura un centre d'interprétation de l'apiculture et de l'abeille, avec des visites guidées. Évidemment, il y aura une hydromêlerie et il y aura aussi une boutique dans laquelle vous pourrez vous procurer mes produits, mais également les produits de la région. Je vais également me procurer un autobus scolaire que je vais transformer pour qu'il prenne cette apparence. Et dans cet autobus, je vais amener les gens à faire les visites guidées, comme par exemple des élèves des écoles de la région, dans le cadre du programme « Ma culture à l'école ». L'agrotourisme, c'est un secteur qui est en croissance. 72 % des entreprises ont observé une croissance de leur achalandage en moyenne de 12 % au cours des trois dernières années. Et 78 % des entreprises du domaine de l'agrotourisme ont observé une augmentation de 13 % en moyenne de leur chiffre d'affaires. Grâce aux études qui sont faites sur ce secteur-là, on sait ce que la clientèle recherche. Ils veulent un volet éducatif, un volet gourmand, puis un volet commercial, comme une boutique de dégustation. Évidemment, c'est trois choses que je vais leur offrir dans mon entreprise. Et là, il faut que je parle d'une notion très importante. Pourquoi l'hydromel? C'est qu'en pour réussir en apiculture, ça prend un produit à valeur ajoutée. Un kilo de miel se vend seulement, en moyenne, 12,75 $ le kilo au Québec. Moi, avec le même kilo d'hydromel, regardez bien ça, je peux faire pour plus de 85 $ d'hydromel. Donc ça, c'est de la valeur ajoutée. Et moi, je vais faire des hydromels nouveaux genres, secs, faible en alcool, pétillant, aromatisé avec des produits de la région. Je vais les vendre en canette, mais je vais aussi les vendre sur place, sur ma terrasse. Et là, sur la terrasse, les gens vont également pouvoir consommer un panier gourmand composé des produits du terroir de la région. Pour réaliser le projet, je ne suis pas seul. J'ai mon équipe personnelle, mes enfants, ma copine Sylvie, j'ai ma famille, mes parents qui m'appuient. J'ai aussi composé une équipe technique, Marise Pigeon, agroéconomiste, Michel Gauthier, une sommité dans la fabrication d'alcool artisanal au Québec, et les différents organismes qui interviennent en apiculture au Québec. Pour m'aider dans la commercialisation, je fais affaire avec une firme qui s'appelle Papille Développement, et j'ai aussi déjà communiqué avec les différents organismes qui font la promotion de l'agrotourisme au Québec et du tourisme dans la région de Québec. D'ici à 2023, je vais compléter mon plan de commercialisation. Une fois que je vais l'avoir en main, je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais aller voir les différentes entreprises avec qui je peux faire des partenariats, les différents organismes qui sont susceptibles de m'aider dans la réalisation de mon projet. En septembre, je vais prendre possession de mon local, je vais ouvrir mon hydromêlerie en octobre, et là, je vais commencer à participer à des événements comme Bienvenue Québec. Ça, c'est la grande réunion des tours opérateurs du Québec, et c'est là qu'on peut prendre rendez-vous pour connaître les entreprises qui amènent des groupes de touristes de l'extérieur du Québec. En mai 2024, je vais procéder à l'ouverture officielle de la boutique et des visites guidées. Et c'est là que je vais me lancer à temps plein dans l'entreprise. Pour atteindre une rentabilité, merci. Pour atteindre la rentabilité de mon entreprise, je dois passer des 100 ruches que j'ai actuellement à 300 en 2025. Et la pierre angulaire de mon projet, c'est attirer des gens. Donc, il faut que je me rende à environ 6 000 visiteurs en 2025 pour être rentable et être capable de me verser un salaire d'environ 50 000 $. Et ce que j'ai besoin en termes d'argent, c'est essentiellement de 250 000 $ pour acheter des équipements et 50 000 $ pour constituer un fonds de démarrage et un fonds de roulement, pour un total d'environ 300 000 $. Le local, je vais le louer. Et les terres en apiculture, on a l'avantage de ne pas être obligé de les posséder puisqu'on peut tout simplement prendre entente avec les propriétaires terriens pour placer les ruches dessus. Je vous laisse sur cette magnifique photo de ma petite fille avec notre chien dans les ruches, dans le secteur de l'aéroport de Québec. Merci. Yes. Alors, très belle présentation. Parliez d'hydromel. Hein, Monsieur Pierre, ça donne soif, hein? Parlez-nous du buveur typique d'hydromel au Québec.
Puis on voudrait aussi avoir, on voudrait aussi savoir qu'est-ce que, quelle, la croissance, parce qu'on voit que les alcools sont en montée au Québec actuellement, les gins, pour ne nommer que ceux-là, mais au niveau de l'hydromel, quelle statistique vous avez là-dessus au niveau de la croissance, de la consommation de ce produit-là? Selon les statistiques que j'ai à ma disposition, la catégorie de breuvage auquel appartient l'hydromel, c'est la même catégorie que les cidres. Donc, je n'ai pas de statistiques spécifiques. Merci. Je n'ai pas de statistiques spécifiques à l'hydromel. Je crois pas qu'il en existe encore. Mais la catégorie du breuvage cidre et autres de ce type-là est en croissance. Là, la statistique que j'ai, même je l'ai dans une diapositive plus loin, là, mais de 2018 à 2020, c'est une catégorie de breuvage qui a cru d'un taux d'environ 50%. Puis le profil typique du buveur d'hydromel? OK, d'accord, pardon. J'étais trop concentré sur le... C'est gentil. Je suis un homme, mais je ne peux pas faire deux choses à la fois. On n'a pas le droit de s'agenouiller devant les jeux. D'accord. Donc, moi, quand je fais cuire un œuf chez nous, là, je dis à tout le monde de sortir de la cuisine. Mais... OK, fait que... dans le fond, selon les informations que j'ai, le consommateur typique, c'est un peu le même que celui des bières de microbrasserie, disons plus peut-être haut de gamme, là, qui se distinguent par leur savoir-faire artisanal, par des arômes plus recherchés, donc des produits qu'on peut ajouter lors de la fermentation, qui vont faire des produits qui sortent de l'ordinaire. C'est sûr que moi, je cherche à attirer aussi une clientèle qui va venir en agrotourisme. Donc, c'est souvent des gens qui sont intéressés par la découverte de nouveaux produits. Puis, la clientèle internationale aussi, c'est une clientèle habituellement qui est à la recherche d'expériences plus authentiques en contact là, avec le producteur directement. Donc, à ce stade-ci, ça serait ma réponse à votre question. OK. Merci. Je vais poursuivre. En fait, vous avez mentionné que vous débutez avec un cheptel de 200 ruches et vous les rendez à 300 éventuellement. Ça fait de l'abeille, ça. Pourquoi partir avec 200 tout de suite en partant? Puis, en même temps, où est-ce que vous vous approvisionnez? Où est-ce que vous trouvez ça, des ruches? Bien, en fait, moi, en ce moment, j'en ai 100. Puis, la façon de s'en procurer, c'est tout simplement... Ça prend juste le matériel. Parce que quand on sait comment élever les reines... On sait comment diviser une ruche et multiplier son cheptel soi-même. Donc, c'est relativement facile là, pour moi de passer de 100 ruches à 300. Je pourrais même le faire en une seule année, sauf que quand on le fait trop rapidement, c'est au détriment de la production de miel. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même un délai là, que je me donne de 2 à 3 ans pour me rendre à 300 ruches. Puis 300 ruches, bien, c'est ce que je sais. C'est qu'en moyenne, une ruche produit, je le sais que ça va me donner suffisamment de miel pour alimenter mon projet en transformation d'hydromel. Moins que ça, je pense que ce serait risqué là, de manquer de matières premières. Puis plus que ça, bien, ça va dépendre. Le futur me dira si je dois avoir plus de ruches, produire plus de miel parce que j'ai développé des plus de marchés, mais ça reste possible. Okay, merci. On aimerait ça que vous nous parliez de l'emplacement, le choix de l'emplacement de vos ruches, à la fois l'été et à la fois l'hiver. OK. Bien, dans le fond, quand j'ai indiqué dans ma présentation là, que c'est un endroit où il y a une abondance de friches, le premier endroit que j'ai trouvé là, dans la région de Stoneham puis de la Jacques-Cartier, c'est à Saint-Gabriel. J'ai fait la connaissance d'un producteur de dindons. Puis il y en a peut-être ici qui le savent, là, qu'avant, les dindons étaient élevés à l'extérieur. Puis à partir du moment où ils ont été entrés en établissement, bien, ça a laissé place à de vastes étendues de terre qui sont parfois cultivées pour faire du foin. Encore là, ça, c'est bon pour les abeilles parce que souvent, ça va être avec du trèfle, de la luzerne. Mais il y a beaucoup d'espaces dans ce secteur-là qui sont laissés en friche, qui est aussi excellent pour les abeilles parce qu'il y a une grande partie de la flore qui est indigène au Québec qui est mellifère. On pense entre autres à la verge d'or, à l'épilobe, des fleurs comme ça. Puis, pour ce qui est de l'emplacement, bien, où je veux installer mon commerce, ça, c'est vraiment une location, un emplacement stratégique selon moi parce que c'est un endroit où il y a déjà un tourisme abondant à l'année. Et puis, dans mes stratégies pour attirer les gens, bien, je veux utiliser les fameux panneaux bleus. Puis ça, c'est quand même prouvé là, que ces panneaux-là, les gens, ils portent attention. Puis les gens qui veulent faire de l'agrotourisme, évidemment, ils portent attention. Puis ça peut être une façon d'attirer des gens vers mon établissement en profitant tout simplement de l'achalandage existant qui est dans cette région-là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, à moitié.
L'hiver, vous faites quoi de vos ruches? Ah oui, pardon. L'hiver, c'est que moi, je les laisse tout simplement. Bien, je les rassemble au même endroit. Fait que là, en ce moment, j'en ai qui sont dans le coin de l'aéroport de Québec. Puis, il y en a un autre, j'en ai un autre groupe qui est à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Puis, moi, je les hiverne à l'extérieur. Donc, en apiculture, il y a deux façons. On peut les rentrer en caveau ou les hiverner à l'extérieur. Si on les hiverne à l'extérieur, il faut simplement les emballer pour leur donner une couche d'isolation supplémentaire. Mais c'est quelque chose que beaucoup d'apiculteurs font, là. Mais c'est un terrain qui vous appartient, c'est chez des producteurs? Non, c'est ça, c'est encore là, c'est tout c'est des producteurs, pardon. Okay. C'est ça, c'est moi, dans le fond, il n'y a aucun terrain qui m'appartient. Tous mes terrains où j'ai des ruches, où je leur fais passer l'hiver, appartiennent à des propriétaires qui me laissent gentiment laisser mes ruches-là. Bon, en échange d'hydromel et de miel, bien sûr. Puis avec l'artère, il y a même un propriétaire terrien avec lequel j'ai vraiment rédigé une entente formelle là, de location. Mais c'est comme ça que je procède. Okay. Vous nous avez présenté quand même un beau plan de match au départ. Il y a beaucoup de choses à se mettre en branle. On parle du bi-boss, on parle de l'hydromel, on parle des ruches, puis tout ça. C'est quand même, ça fait quand même beaucoup de choses à démarrer en peu de temps. Moi, ce qu'on aimerait savoir, comment tu vas gérer tout ça, puis avec quelles ressources humaines? Bien, c'est sûr que moi, mon plan, c'est d'impliquer... ma copine. C'est sûr qu'elle a un autre emploi aussi, mais c'est ça, j'ai des ressources. Là. Je suis le genre de gars qui s'entoure de personnes qui peuvent l'aider. Mais essentiellement, je vous dirais que c'est ça, ma capacité à trouver des personnes pour m'appuyer. Par la suite, évidemment, ça va me prendre des employés. Mais pour le démarrage, je vais essentiellement m'appuyer sur ma capacité à mobiliser de l'aide et ma grande capacité à travailler. Okay. Est-ce que ce besoin-là en ressources humaines a été évalué? Pour tous les beaux projets que tu veux faire. Là. Oui. Bien, avec Maryse, on en a discuté, là, parce qu'elle a de l'expérience là, dans l'animation d'un établissement en agrotourisme. Donc, dans le plan d'affaires, j'ai essayé de l'indiquer. C'est sûr que moi, je l'estime surtout mon besoin au moment où je vais ouvrir ma boutique là, en 2024. À ce moment-là, c'est certain que moi, je ne pourrais pas m'occuper des ruches, faire l'hydromel, animer les visites guidées, puis animer la boutique. Là. Fait que c'est certain qu'à ce moment-là, ça va me prendre des ressources humaines. Mais dans le plan d'affaires, je les ai chiffrées là, en dépenses. Là. Mais moi, essentiellement, j'évalue le grand besoin d'en avoir à ce moment-là. Parce qu'à partir du moment où je vais prendre possession du local en septembre de l'an prochain, je pensais seulement l'ouvrir à ce moment-là avec des heures restreintes, là, vendredi, fin de semaine. C'est sûr que là, je vais être en dehors des périodes où... de grandes pointes d'achalandage là, du tourisme d'été qui a habituellement lieu dans cette région-là. Et c'est aussi que je ne ferai pas encore de visite guidée là, à ce moment-là, ou très peu, là, pour les gens qui voudront visiter l'hydromellerie. Là. J'espère que ça répond à votre question. Oui. D'accord. Merci. Concernant votre production d'hydromel, c'est quoi le processus pour produire ça? Puis avez-vous un aspect distinctif qui va vous distinguer d'autres entreprises qui vont produire aussi de l'hydromel, par exemple? Oui, bien, c'est sûr que bon, écoute, j'invente rien. Là, ce type d'hydromel-là qui est pétillant, canette, ça existe déjà. J'ai pris l'idée ailleurs. Mais ça se distingue de ce qu'il y a sur le marché en ce moment parce que l'hydromel, traditionnellement, c'est un breuvage plus sucré, plus élevé en alcool que les gens achètent rarement. Ça, c'est un produit, là, je ne sais pas si vous y avez goûté, mais que vous allez peut-être vouloir en acheter à tous les jours pour terminer votre journée avec un bon hydromel frais. Fait que de cette façon-là, ça se distingue de ce qu'il y a sur le marché là, dans le domaine de l'hydromel. Maintenant, l'autre façon de me distinguer, bien, c'est sûr que moi, je veux que mes variétés aromatisées, mes saveurs aromatisées, je veux qu'elles soient utilisées des produits du terroir régional pour les aromatiser. Donc, avant de venir faire la présentation, je discutais avec les quatrièmes participants qui vont produire de la cerise griotte. Fait que déjà, ça, c'est comme je voudrais m'approvisionner de cette façon-là. Fait qu'à ce moment-là, sur le produit, je vais pouvoir dire que ce sont, par exemple, un hydromel aux cerises griottes de Charlevoix ou des trucs comme ça. Fait que ça, je pense, c'est une façon de se distinguer aussi là, dans ce marché-là. Mais il faut bien comprendre que moi, je ne veux pas aller m'installer dans les tablettes d'épicerie pour commencer. Là. Éventuellement, je vais le faire, mais c'est sûr que si on l'a tous vu, là, si on va à l'épicerie et on regarde la section des microbrasseries, là, c'est dur de se démarquer dès le départ dans ce contexte-là. C'est pour ça que moi, je veux attirer les gens à mon établissement,
Puis là, c'est plus intéressant pour eux de faire un achat d'un produit comme ça à ce moment-là. D'accord. Merci. Donc, David vous a posé une question tout à l'heure sur justement les besoins de ressources humaines, que vous partez quand même plusieurs projets en même temps. Puis on se questionnait justement sur le pourquoi tout démarrer ces projets-là en même temps. Bien, c'est parce que ça va être difficile pour moi. Moi, j'ai un emploi là, dans mon emploi professionnel. Il est assez lucratif puis très prenant. Donc, si je veux faire le saut dans une entreprise agricole à temps plein, bien, il faut que j'arrive à générer des revenus rapidement pour remplacer ce salaire-là. Puis c'est mon intention. Puis la meilleure façon de le faire, à mon avis, c'est de partir un projet comme ça qui a plusieurs possibilités de sources de revenus, puis qui en soi constitue déjà une entreprise viable. Là, comme je vous l'ai dit, en autant que j'arrive à attirer des visiteurs, parce que moi, ma stratégie, là, mes efforts vont reposer sur ma capacité à attirer des gens dans mon établissement, des groupes de touristes, des groupes scolaires. Bien, évidemment, les groupes scolaires, ce n'est pas pour l'hydromel, là. Mais pour les visites guidées, là, c'est ça, tous les groupes de touristes, les groupes scolaires, puis la clientèle en agrotourisme plus traditionnelle là, du Québec. Là. Tes outils de gestion, c'est avec quel outil de gestion tu vas travailler? On en parlait dans le plan d'affaires. Oui, bien, moi, j'utilise, là, pour l'apiculture, j'ai des registres que j'utilise pour faire le suivi de toutes mes interventions au rucher. Fait que c'est des outils standards, bien, c'est des chiffriers Excel, là, mais que j'utilise pour faire mes suivis d'intervention, suivre le niveau de production de mes ruches. Chaque ruche est numérotée, là. Mais ça, c'est assez standard en apiculture, là, pour savoir quel est faire le suivi des niveaux de production et d'infestation de chaque ruche. Puis ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'il faudra que je mette en place des registres que je n'ai pas actuellement, mais dans la production d'alcool, j'ai des amis qui ont des établissements où ils produisent de l'alcool, fait que je sais qu'il y a des registres qui sont à utiliser dans ce domaine-là, là, pour, autant pour la production que pour les règles de santé, salubrité dans ces établissements-là. Essentiellement, c'est ça. Mais sinon, des outils de gestion comptable. Ça, en ce moment, je n'ai pas d'outils ciblés, là, mais c'est sûr qu'avec Maryse, elle m'a familiarisé avec son outil de gestion qui est dans Excel, là, qui est beaucoup plus complexe que ce que je pensais être possible de faire. Là. Mais c'est toutes des choses avec lesquelles j'ai commencé à travailler, mais qui seront sans doute à améliorer à mesure que je vais progresser vers le démarrage de mon entreprise. Pour une petite dernière question, mettons, si on parle de vos projets, avez-vous un plan B si jamais il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez? Avez-vous un plan B de prévu? Bien, mon plan B, c'est essentiellement de retarder le démarrage de ce projet-là. Donc, c'est sûr qu'il pourrait m'arriver une... j'essaie de penser à toutes les choses qui pourraient arriver. Exemple, si je perds un grand nombre de ruches, comme on a entendu parler que c'est arrivé la saison dernière, bien, moi, je souscris au programme d'assurance de la finance agricole. Donc, ça m'évite que cette possibilité-là survienne, parce que mes ruches seraient assurées. Même chose pour la production de miel, puisque je souscris à l'autre programme d'assurance récolte. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que moi, si je tombais, exemple, malade ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que moi, je vais former... Déjà, ma copine, Sylvie, elle saurait comment à court terme s'occuper des ruches. Mon garçon, il apprend comment faire avec moi l'hydromel, fait qu'il pourrait me dépanner si j'étais malade pendant une certaine période. Mais là, je ne parle pas de ça. Si j'avais quelque chose de très grave, là, ça remettrait en question ma vie au complet. Là. Mais mettons, à court terme, j'essaie d'anticiper là, que chaque employé soit formé pour être capable, que je sois remplaçable, finalement, là, pour des courtes périodes. Essentiellement, ben c'est ça. Sinon, là, en termes de... Le local, là, c'est déjà un local qui est en construction. Il a déjà été repoussé un petit peu, là, donc j'anticipe pas d'autres délais à ce niveau-là. Dans le pire des scénarios que je peux imaginer, il n'y aurait pas suffisamment de gens qui viendraient dans mon établissement, là. Puis à ce moment-là, bien, je pense que je me prépare bien à ça en travaillant avec une firme comme Papille Développement qui ont l'habitude de ces projets-là puis qui vont m'aider à concevoir un plan de commercialisation digne de ce nom.
Puis, il faut dire aussi que moi, je suis la bonne personne pour activer un plan de commercialisation parce que je suis dans ma vie professionnelle, je travaille en vente puis en développement des affaires. Donc, j'ai confiance là, à ce niveau-là. Mais je veux dire, la confiance, c'est pas tout. Il faut être bien préparé puis avoir un plan qui se tient là, avant de passer à l'action. Merci. Ça fait le tour des questions. Parfait, merci. Ouais, après cette, merci tout le monde. Il y a juste un mot qui me vient en tête après cette présentation-là, c'est effervescence. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'avais qu'en pensez-vous? Hey, Talussier. Premièrement, première chose qui me vient en tête, c'est heureusement, l'hydromel a passé au travers le temps. Et il y en a encore aujourd'hui. Que de souvenirs j'ai de ces soirées bien arrosées avec les amis, avec ma belle Marie. Ben, je reviens à ton projet. L'abeille. L'abeille, source de vie. L'abeille importante, il faut s'y attarder. Cette abeille qui est nécessaire dans le cycle de pollinisation et en plus qui nous donne son miel, sa cire, tous les produits dérivés. Non seulement je rencontre un promoteur, quelqu'un qui a le goût que ça fonctionne, mais en plus, je ne sais pas, Talussier, si tu réalises que tu es le gardien de la vie. Ces abeilles, juste le fait de vouloir les faire connaître, de transmettre tes connaissances, de transmettre ton amour de l'abeille au plus grand nombre, bien ça, c'est une noble cause et je n'ai aucun doute sur la réalisation de tout ce que tu as en tête. Talussier? Tout le monde ensemble? Hip, hip, hip! Hourra! Hip, hip, hip! Hourra! Hip, hip, hip! Hourra! Et longue vie! Ben, comme dirait Confucius, pourquoi pas joindre les bulles à l'agréable? Non, c'est pas lui qui a dit ça. Ah, c'est Jean Ferrand. Donc, nos quatrièmes candidats, je dis nos quatrièmes parce qu'ils sont deux, évidemment, Marie-Lisanne Boily et Pierre-Luc Tremblay de l'entreprise Verger des Champs dans Charlevoix-Est. La revitalisation, là, je l'ai bien dit ce coup-là, demande entre autres de tomber dans les pommes et dans les cerises. Donc, ils sont accompagnés de l'agroéconomiste Mme Marie-André Gagnon. Je leur cède la parole. On a des drôles d'entrées en scène. Hein? Ça va être à retravailler. C'est à vous? À vous deux. Il y a un micro, c'est mieux de promener, il y a un micro comme ça. Non, je pense que c'est bon comme ça, oui. Je vais peut-être mettre un petit chronomètre. Alors, bonjour. Verger des Champs, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise en démarrage qui a pour but l'implantation de 500 pommiers et de 160 cerisiers d'ici les trois prochaines années, dans le but d'en faire de l'autocueillette et également... Excuse-moi, il faut que tu te rapproches du micro, par exemple. Et également... J'ai peur de te promener avec le micro, là. Pas trop bien. Un petit mieux, celui-là? Non, ça va. Oui. Donc, d'en faire de l'autocueillette d'ici une fois la plantation terminée et également de la vente au kiosque. Donc, Pierre-Luc et moi sommes conjointement propriétaires de l'entreprise. Étant natifs de la région, ça a toujours été un désir pour nous de partir un projet dans la région qui allait pouvoir faire bénéficier la population locale et également de faire rayonner Charlevoix à travers un produit. Quand on a commencé le projet, on n'était pas du domaine de l'agriculture, donc c'était important pour nous de faire analyser la faisabilité du projet. Donc, on a fait venir une agronome qui a vraiment analysé le type de sol qu'on avait et le type de culture qu'on voulait implanter. Suite à sa visite, il y avait plusieurs éléments qui étaient positifs et qui nous ont encouragés à démarrer le projet. Donc, que ce soit le type de sol, la profondeur, également l'accessibilité à l'eau. Donc, tout était en place pour les arbres fruitiers qui nous intéressaient. Donc, on a vraiment pris la décision d'attendre 2 ans avant la plantation. Bon, je vais... Pour cultiver la terre, on a pris le temps de vraiment faire les amendements et tous les travaux nécessaires dans le champ.
telles que ramasser des roches, comme on peut voir sur, sur la photo ici. On a également implanté une clôture à chevreuil tout le tour du champ et on a également fait l'acquisition d'un système d'irrigation. On a eu la chance d'avoir la famille qui nous accompagne depuis le début du projet et on est également suivi par une agente de la MRC depuis le début de l'implantation. Donc, on va débuter le tout en 2023, le printemps prochain, avec 170 pommiers et également 100 cerisiers. Ça va être des arbres de type seminin qui seront déjà âgés de 2 ans, ce qui va permettre également un retour sur l'investissement rapidement, en plus d'une mise à fruits assez rapide. On a pris la décision d'ajouter des cerises de type griotte à notre verger pour se diversifier, également parce que c'est des cultivars qui présentent des particularités assez rustiques et qui sont en expansion au Québec. Donc, on y voyait vraiment un beau développement pour nous. On va ensuite continuer la plantation avec 160 pommiers en 2024, 170 en 2025, en plus de 30 cerisiers supplémentaires, jusqu'à l'atteinte de notre parcelle totale pour 1,5 hectare. Au niveau de la mise en marché, bien, commencer au Québec, la saison des pommes, c'est assez bien connu. Je pense que je n'ai pas besoin de vendre l'idée d'aller faire de la cueillette à l'automne. Donc, c'est important pour nous de s'implanter dans notre milieu, de travailler avec les gens de la région. On y voit une belle possibilité d'avoir une fidélisation de la clientèle qui pourrait revenir d'année en année. Vu qu'on vient de la région, bien, on connaît des gens aussi qui travaillent dans des écoles, dans des garderies. On sait qu'ils sont très favorables à notre projet. C'est le genre d'activité éducative qui est également proposée. Donc, on aimerait ça faire des partenariats avec ces établissements-là aussi. On pourrait rejoindre la population locale à travers différents marchés qui sont proposés au courant de la saison estivale. Et bien, Charlevoix, c'est connu également pour ses produits, pour ses producteurs. Donc, il ne faut pas non plus négliger le segment touristique. On est situé sur une route assez passante. On a une belle visibilité avec la grange là, qui attire l'œil au premier coup d'œil. Donc, pour nous, par exemple, de se joindre à des circuits gourmands ou, par exemple, la route des saveurs pourrait être intéressant dans notre entreprise. On a été en mesure également d'évaluer qu'est-ce que ça représentait en type de rendement. Donc, on a fait l'exercice sur les 10 prochaines années basé sur des moyennes de différents vergers au Québec. Donc, la première mise à fruits pour les pommes serait en 2025, donc environ 900 kg de fruits, pouvant atteindre jusqu'à 21 000 kg de pommes d'ici 2032. Au niveau des cerises, ça représente environ 50 kg de cerises la première année en 2026, pouvant atteindre jusqu'à 640 kg de cerises. Niveau financier, c'est sûr que les premières années, on va absorber la phase d'implantation et d'investissement qu'on fait. On ne fera pas de revenus avant quelques années. Pour l'instant, on ne va pas se verser de salaire, étant donné que c'est nos emplois qui nous permettent de faire le projet à temps partiel et ainsi d'absorber toute dépense. On vise un premier bénéfice d'exploitation net dès 2029, qui représente environ 6 800 $, et pouvant atteindre d'ici 2032 environ 50 000 $ de revenus. Donc, c'est sûr qu'on y voit vraiment une belle progression dans les dernières années, entre l'année 7 et 10, étant donné que tous nos plants seront à maturité et qu'ils auront également atteint une vitesse de croisière, fait qu'on va vraiment être au maximum de rendement qu'on pourrait atteindre. Donc, Verger des Champs, c'est une entreprise qui présente beaucoup de potentiel, qui a beaucoup de place au développement. On commence sur une... On commence sur une petite superficie, mais il y a encore de la place à faire une différence, à faire une diversité aussi connexe. On est des gens du milieu qui veulent investir dans notre région. On a d'ailleurs investi plus de 50 000 $ depuis les 2 dernières années, que ce soit avec l'achat du tracteur et tous les équipements qu'on a mis en place. On a des belles dépenses qui s'en viennent devant nous pour tout l'achat de ces beaux plans-là. Donc, investir dans Verger des Champs, c'est investir dans 2 jeunes entrepreneurs qui ont à cœur de remettre en culture une terre qui est inutilisée depuis plusieurs années, qui veulent aussi contribuer à la vitalisation d'un secteur un peu plus éloigné de la région de Charlevoix et qui veulent proposer un produit fruit local pour les gens d'ici, par des gens d'ici. Merci. Question. Merci beaucoup pour votre présentation. Dans votre projet, dans votre plan d'affaires, il y a vraiment quelque chose de distinctif, finalement, qui est la griotte. On aimerait ça que vous nous en parliez un peu plus de quel est ce marché, qui est le consommateur de griotte au Québec, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, bien, est-ce qu'on m'entend? En fait, c'est sûr que 75% de... Notre production est dédiée aux pommes actuellement, étant donné que c'est un marché qu'on vise pour l'autocueillette.
Les cerises, on est en train de suivre une formation en agriculture avec le Collège d'Alma, qui est l'implantation d'un verger. Donc, on a eu... C'est moi qui ai le méchant rôle. Un, deux. Que je le rapproche, OK. Donc, on a eu la chance d'en apprendre davantage sur ce cultivar-là. Donc, pour nous, c'était vraiment une belle possibilité de développer notre verger. Donc, c'est sûr qu'on commence avec une petite production pour débuter, pour voir comment ça va réagir là, avec notre territoire, puis pour faire l'étude de marché les premières années également, pour se concentrer plus sur les pommes. Puis, on voit ça plus comme un avantage également. Les fruits vont être prêts aussi plus tôt en saison. Ça va nous permettre d'allonger la saison de l'autocueillette. On a fait la sélection de différents cultivars pour l'autocueillette, mais également pour le marché de la transformation. Il y a un beau mouvement en ce moment sur les bières, par exemple, de type surette. Donc, on aimerait ça en vendre une certaine partie de notre récolte pour la transformation, entre autres. Votre plan d'affaires, bien, vous avez décrit beaucoup de choses. Vos forces puis vos faiblesses, ce serait quoi? Nommez-moi, genre, trois forces que vous avez puis trois points que vous avez améliorés par rapport avec le projet. Au niveau de nos forces, je pense qu'on est deux personnes qui sont extrêmement déterminées, très débrouillardes. Comme on peut voir, là, on a déjà mis 2 années complètes de travail sur la terre dans la réussite de notre projet. Au niveau des faiblesses, je pense que, je dirais, peut-être la météo peut jouer. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise température puis d'une mauvaise récolte. Par contre, on a fait quand même nos devoirs à ce niveau-là. On a sélectionné des variétés qui étaient rustiques, puis on a choisi des types d'arbres qui pouvaient convenir à notre région. Pour alterner, c'est ça, nos cultures. Peut-être le manque de connaissances peut être une faiblesse à notre niveau, étant donné qu'on n'est pas du domaine de l'agriculture. Par contre, je pense qu'on s'entoure des bons gens, des bonnes personnes. Et avec nous, on est suivi par une agente de développement de la MRC. On a également une agronome qui a mis en place tous les éléments positifs. On a pris le temps de bien faire les étapes dans l'ordre afin d'avoir le bon sol, d'avoir des bonnes chances de rendement futur. Puis, on suit actuellement une formation, là, comme je mentionnais, avec le Collège d'Alma pour l'implantation d'un verger, pour faire des visites de producteurs, pour aller chercher les notions manquantes. Merci. On a remarqué dans votre plan d'affaires qu'il y avait quand même beaucoup d'autofinancement qui était prévu, en fait, beaucoup d'injections de fonds. Bon, ce qu'on comprend, c'est que ça provient de votre salaire extérieur. Et vous allez être en mesure d'investir dans l'entreprise et quand même d'être capable de vivre aussi. J'imagine que si vous avez prévu cet aspect-là. Pour l'instant, l'entreprise est sur c'est chez nous. En fait, notre résidence principale se trouve également à côté de la grange qu'on voit ici. Donc, on ne s'est pas endetté pour le projet. On est capable de financer notre hypothèque et notre maison. Donc, en ce moment, on fait le projet sur nos terrains à nous. Le projet est encore en marche, donc on n'a pas de rendement, mais juste des dépenses. Fait qu'on est capable de garder nos emplois à 100% puis d'absorber ces dépenses-là. Quand on a fait l'achat de la propriété, on avait la chance d'avoir la grange qui était là. Il y avait beaucoup d'équipements agricoles qui étaient déjà là, que l'ancienne propriétaire nous a laissé. Donc, ça nous a vraiment aidé dans le démarrage aussi pour labourer la terre, pour les tracteurs et les investissements quelconques. Donc, d'ici jusqu'à temps qu'on ait les premiers fruits, oui, on est capable d'absorber les charges qui sont reliées à ça parce que les plus grosses dépenses sont déjà effectuées, puis on l'a fait de façon stratégique sur plusieurs années aussi pour ne pas s'embourber. On ne commence pas l'année 1 en plantant 600 pommiers, puis en achetant le tracteur, l'irrigation, la clôture. Fait que oui, pour l'instant, les dépenses sont bien divisées. D'accord. Merci. On parle d'emploi extérieur, puis un des éléments qu'on évalue dans les plans d'affaires, c'est toujours la conciliation entre la vie des entrepreneurs, leur capacité à jumeler tout ça. Ce qu'on comprend, c'est que vous avez les deux des emplois donc à temps plein, donc vous allez travailler sur l'entreprise les soirs et les fins de semaine. Donc, comment vous voyez cette conciliation-là dans vos vies? Jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Pierre-Luc, si il y a un travail avec des horaires qui fait des runs à l'extérieur et qui revient une bonne période de temps à la maison. Donc, on est capable d'avancer dans le projet. Personnellement, j'ai un emploi qui me permet d'être là tous les soirs, les fins de semaine, donc qui convient également. C'est un projet à temps partiel jusqu'à temps qu'on ait des fruits. Puis, une fois qu'on commencera à avoir une production, on n'exclut pas
l'option que l'un de nous deux, probablement moi, réduirait son temps de travail de son emploi actuel pour s'occuper de la saison forte de l'autocueillette. À ce moment-là, on aurait un salaire qui est plus élevé que l'autre, qui serait en mesure de subvenir à l'autre emploi à temps partiel. On parle beaucoup de pommes, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de concurrence dans ça. Vous avez parlé un petit peu de la mise en marché. Comment vous allez, tu sais, vous avez parlé de partenariat tout à l'heure avec le milieu. J'aimerais ça que vous nous en donniez un peu plus d'informations, justement, là, sur cette commercialisation-là de vos produits. Là. Oui, certainement. Bien, le marché qu'on vise, c'est l'autocueillette. Comme on vient de la région, on sait souvent qu'est-ce qui manque. Donc, je ne cacherai pas que notre principal concurrent, ben, c'est les vergers Pénaud. Les vergers Pénaud sont toutefois situés à l'île aux coudes. Il y a une traverse à prendre pour se rendre de l'autre côté. Notre avantage, c'est notre accessibilité. On est visible, on est sur la 138, on est sur un chemin passant, qu'on est proche de trois axes de la ville, que ce soit proche de Tadoussac, que ce soit proche de Québec, que ce soit les gens de la région. On a un bel emplacement accessible. Et je pense qu'on est également une destination en soi. Donc, on n'est pas juste un champ qui va proposer une autocueillette. Nous, on voit un développement. On a un terrain de plus de 2 millions de pieds carrés. Donc, par exemple, d'avoir des tables à pique-nique pour des familles qui viennent avec faire des randonnées. On n'exclut pas d'avoir d'autres types de variétés de fruits. On pourrait faire la cueillette d'autres fruits. Donc, on veut développer ce qu'on a chez nous également, puis devenir une destination en soi. Au niveau de la mise en marché, bien, ça se fait visuellement, mais ça se fait localement aussi. Fait que c'est pour ça que nous, on veut aller chercher une proximité dans le milieu pour avoir une clientèle fidèle qui revient à chaque année. Merci. Puis pour ce qui est de la production de pommes, est-ce que vous avez prévu ce que vous allez faire, par exemple, avec les pommes déclassées, mettons? Est-ce que vous avez prévu quelque chose de ce côté-là? Notre plus gros marché visé, c'est l'autocueillette. On vise également un petit marché pour les pommes déclassées de vente au kiosque. On a calculé dans nos revenus, par exemple, des pommes qui seraient dédiées au chevreuil, fait qu'on pourrait vendre en masse. Et à long terme aussi, on vise la transformation, par exemple, de rénover le bâtiment. Puis il n'y a rien qui nous empêcherait de faire une cidrerie. Ça serait quelque chose qu'on aimerait également faire la transformation. Merci. Pour vous, c'est quoi les principales embûches que vous allez rencontrer au cours des 5 prochaines années? Jumelé avec nos emplois, moi, je ne vois pas ça comme une embûche parce que pour l'instant, on arrive à bien alterner le tout. On est bien entouré aussi, nos familles, il y en a quelques-uns qui sont déjà à la retraite, donc on a un soutien familial. La principale embûche, je pense que ça va être de jumeler avec les connaissances, de naviguer avec les variétés qu'on a sélectionnées, parce que, on fait des tests. Donc, nous, on a choisi des types rustiques, mais bon, est-ce que ça va concorder à notre territoire? Est-ce que la météo va être en faveur avec la récolte? Est-ce qu'il va mouiller l'été prochain avec l'implantation pour qu'on ait un bon enracinement? Fait que je pense que ça va être de naviguer avec les premières années d'implantation pour dire, OK, nos arbres sont bien enracinés, puis dans 5 ans, on a une belle production, puis on est décollé, puis on est à vitesse de croisière. Fait que ça va être de jouer avec l'apprentissage là, et la température. Justement, j'ai une question justement qui fait suite à ce que ma collègue dit. Est-ce que vous avez un plan B à tout ça? Bien, en fait, notre plan B, ça va être de continuer à diversifier le verger. Donc, on n'est pas fermé juste à l'idée de faire des pommes et des cerises. On aimerait cultiver d'autres variétés également. On aimerait ça avoir des citrouilles aussi, avoir d'autres fruits chez nous. Mais notre plan B, c'est qu'on voit ça comme un prochain développement. En ce moment, on est chez nous. Fait que si ça ne fonctionne pas avec les pommes, bien, il y a moyen d'essayer d'autres choses puis de développer un autre marché, par exemple. La grange est en effet une phase prochaine de notre projet de développement à plus long terme. OK. Mais d'ici 5 à 10 ans, là, d'ici les 5 prochaines années, vous ne serez pas rentable? En fait, d'ici 2029, non. Okay. C'est ça. On va absorber les dépenses parce que, comme je disais, on a investi de plus de 50 000 $ Donc, pour l'instant, c'est nos fonds personnels. Fait que le temps qu'on rembourse au moins ces dépenses-là, qui sont l'achat du tracteur, du système d'irrigation, on en a pour plus de 15 000 $ juste avec l'achat des plants. Donc, pour l'instant, c'est nous qui croyons en notre projet puis qui investit dedans. Puis, quand on va commencer à faire des fruits les premières années, là, on va vraiment miser sur ce revenu-là afin de rembourser les charges qu'on aura absorbées jusqu'à 2029, qui est nos prévisions budgétaires. Okay. Merci. Puis pour, donc ça va prendre plusieurs années, comme vous dites, pour
avant de commencer à vendre des fruits. Donc, quelle sera votre stratégie pour rejoindre justement votre public cible ou votre clientèle cible? Donc, vous allez avoir du temps pour y penser, mais comment vous allez faire pour faire connaître? C'est sûr que pour l'instant, on n'est pas encore dans la phase de mise en marché. Donc, on veut que ce soit un site web. On n'a pas encore non plus de logo. On n'a pas de page de médias sociaux. Donc, on a beaucoup de travail à faire au niveau de la visibilité qu'on recherche. Pour l'instant, on est connu du milieu parce que, bon, c'est une région. Puis, veut pas qu'il y ait un jeune couple qui part un verger avec cette grange-là. Ça fait jaser. Donc, on peut bénéficier. Moi, je vois ça comme un avantage. D'ailleurs, on bénéficie de cette proximité-là avec les gens du milieu. Mais je pense qu'on a un bon travail à faire au niveau de, c'est ça, peut-être d'avoir un site web, d'avoir un logo, puis d'aller chercher plus de visibilité pour à l'extérieur, là, de juste dire qu'on se fait voir par la 138. C'est bon. Merci. Pas d'autres questions. Merci. Merci. Okay. Non, c'est agréable de voir combien ces jeunes entrepreneurs-là s'appliquent à bien nous nourrir, mais aussi à bien nourrir l'environnement, à occuper notre territoire. Je le laisse. Oui. Marie-Lisanne, Pierre-Luc, votre projet est inspirant. En plus, bien, juste le fait de vouloir offrir l'autocueillette des pommes, des cerises au plus grand nombre, bien ça, c'est magnifique. Parce que vous êtes très généreux. Imaginez les familles qui vont aller chez vous, qui vont bâtir des souvenirs, qui vont bâtir des moments mémorables. Les amours qui vont cueillir ensemble, qui auront des moments magiques, qui se poursuivront peut-être autour de la table avec un bon cidre, une tarte aux pommes, une tarte aux cerises. Vous êtes des gens généreux. Vous êtes des gens passionnés. Et tout ça, ça se ressent dans votre projet. Merci d'être qui vous êtes. Et pour la suite, il me semble que vous avez besoin d'un trois fois hourra. Hip, hip, hip! Hourra! Hip, hip, hip! Hourra! Hip, hip, hip! Hourra! Et longue vie! Bon, bien, c'est maintenant le temps pour nos juges d'aller... Se chamailler dans la salle des juges pour arriver à un consensus. Et ma foi, bonne chance! Donc, pendant la délibération des juges, ça va être le temps de voter pour votre coup de cœur. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est Diane qui a les billets? Vous allez faire le tour pour les distribuer. Donc, on va en profiter aussi pour prendre une petite pause de 5 minutes, s'il vous plaît, parce que notre ancêtre, oui, j'allais dire colon, mais on va dire colonisateur, ça va être plus poli. Notre colon? Notre premier colon va nous entretenir là, avec ses expériences passées. Fait que on se dit, là, il est de bonne heure quand même, on est en avance sur notre temps, il est 14h, presque 50. On se dit, on revient à 15h dans la salle. On va aller vous chercher. À tantôt! Donc à 15h. Et n'oubliez pas de voter pour votre coup de cœur.
pour être plus attentif. Bon, le v'là qui distribue de l'hydromel partout. On va perdre le contrôle. On va perdre le contrôle, ça y est. Alors, pendant que les juges se cassent la tête pour trouver les points forts de nos candidats, on a notre Seigneur premier colon, Nisateur, qui va nous relater quelques-unes de ses histoires. Quand même. Oui, il y a du vécu là-dedans. C'est la magie de Noël, ça, qui fait ça. C'est la magie de Noël. En fait, ce que je vais faire avec vous dans les prochaines minutes, c'est vous raconter une histoire, une légende. J'en ai entendu plusieurs dans les 400 dernières années, même si j'écoutais. Et je vous la livre parce que cette histoire-là, je la trouve exceptionnelle pour les entrepreneurs, pour toutes vous autres. En fait, ça sera bon pour toutes vos vies, parce que dans toutes les gens, il y a de l'enseignement. J'ai connu des Beaucerons. Ces entrepreneurs Beaucerons, hein? Parmi ceux-là, il y avait Rémi, un petit commis voyageur. Un commis voyageur, dans ces années-là, on remonte à plusieurs années à cheval, et puis sa run durait à peu près 2 ans. Il faisait le tour des villages. Il rentrait dans le village, Rémi, puis il vendait un peu de tout ce qu'il avait trouvé dans le village d'en avant. Puis il faisait un petit profit, puis il repartait. Rémi, tout le monde l'aimait, parce qu'il y avait de la jarnigouenne. C'est un bon vivant, un bon gaillard, quelqu'un qui racontait toutes sortes d'histoires. Puis là, il faut que je vous dise qu'en Beauce, dans le haut de la Beauce, il y a là la forêt de Sartigan. La forêt de Sartigan, il y a une légende qui raconte que si quelqu'un s'aventure tout seul par grande noirceur dans la forêt de Sartigan, bien, le yob en personne pourrait y lancer un défi de gigue. Si le passant peut giguer tant et aussi bien que le yob, puis c'est... ni lui, ni toute sa descendance. Si par malheur, le passant n'est pas capable de giguer, qu'il s'enfarge dans ses bottines ou qu'il tombe trop essoufflé, il va être condamné à devenir lui-même un feu follet puis à giguer pour l'éternité. Puis je ne le sais pas pour vous autres, mais ça a l'air que l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. Que je reviens à mon Rémi. Il connaît cette histoire-là. Puis lui, il se ramasse à Saint-Théophile. Une petite place, puis il passe sa journée, puis il vend ce qu'il y a à vendre, puis il rachète, puis il bargaine, puis il arrive la fin de la journée. Il y avait un petit bar à Saint-Théophile. Il est allé s'enfarger, puis il est là un peu. Pas mal. Assez que quand il a eu le temps de partir, il faisait noir. Comme j'ai le gars. Il était chaud d'ail, mais pas assez pour dire qu'il prenait le bois tout seul. Non. Il en connaissait la légende. Pas question qu'il passe par la forêt de Sartigan tout seul par grande noirceur. Surtout que dans l'état qu'il était, il était pas mal certain de ne pas être capable de la gueule de gueule. Ça fait qu'il s'en va voir le barman, puis il dit, reste une place à coucher. Parce que à Saint-Théophile, ils sont allés par priorité. Il y avait un bar, mais il n'y avait pas d'hôtel. C'est comme ça. Toujours que le barman, il dit, on n'a pas de place à coucher ici, mais j'ai mon frère, Joe. Puis il est sur le chemin, puis tu vas voir, Joe, il est à... Vas-y, il va te garder à coucher, c'est certain. Ça fait que Rémi, il s'en va, puis il suit le chemin que le barman lui avait expliqué, puis il arrive chez Joe. C'est pas loin, juste l'autre bord, le village. J'ai pas eu besoin de marcher dans le bois, ça faisait son affaire. Il arrive là, puis... une petite maison, 20 titres. Puis il s'approche. Là, pas le tout, ça. Un voyageur, rentrez. Fait que Rémi ne se fait pas prier, il rentre. Puis c'est là qu'il s'aperçoit que c'est une bien petite maison avec une bien grande famille. Il y a au moins une dizaine d'enfants. Plus Joe et sa femme. Là, il se demande bien où est-ce qu'il va coucher. Restez à coucher. Ma femme et moi, on va aller coucher dans les tables. On est accoutumés. Prenez notre chambre. Il fait semblant d'être un peu malaisé, mais il accepte. Toujours que le soir arrive. Puis là, c'est pas que mon Rémi,
avec toute sa jarnigouenne, il commence à jaser puis à raconter des histoires aux enfants. Puis ça rit, puis ça a peur, puis ça brosse, ça fait tous les temps. Il y en a des affaires à raconter. Joe et sa femme sont contents de voir ça. Toutes ces belles histoires-là qui sont racontées aux enfants. Ça fait que quand tout le monde va se coucher, le lendemain au matin, Joe il dit à Rémi, si ça ne te dérange pas, si tu veux, passe ta journée avec nous autres. Tu partiras plus tard. Puis tu raconteras quelques histoires encore aux enfants. Ils aiment bien ça. Rémi, il n'était pas si pressé que ça. Ça fait bien. Et puis c'est là qu'il commence à passer la journée avec sa famille. Et qu'il se rend compte que la vie, toute la vie de cette famille-là, tournait autour d'une vache. Ouais. Et les hommes, eux autres, ils brossaient la vache, ils traillaient la vache, ils curaient la vache, ils faisaient tout, puis ils la nourrissaient, puis ils faisaient le foin pour la vache. Puis les femmes, eux autres, ben, ils ramassaient le lait, ils faisaient les recettes, le savon, tout était avec ce que la vache produisait. 10 enfants, un père pour la mère et une vache. Pas besoin de vous dire qu'ils vivaient pas riche. Mais il y avait de l'air bien. Il y avait de l'air heureux là-dedans. Ils travaillaient fort. Puis là, ben Joe, d'être fier de dire à Rémi, ah, puis c'est comme ça, mon Rémi, depuis plusieurs générations. Le soir arrive, puis Joe décide, il dit à Rémi, reste donc. Puis Rémi, il décide de rester. Puis c'est comme ça que les soirs passent, puis 2, puis 3, puis 4 jours. Il est bien. Il est accueilli là, comme s'il faisait partie de la famille. Il est bien avec eux autres. Une semaine. C'est bien beau d'être bien accueilli, puis ça, mais c'est un commis voyageur. Qu'est-ce que ça fait un commis voyageur? Ça voyage. Ça fait que, avant de partir, dans l'après-midi, il s'en va voir le barman, celui qui est le frère, en fait, de Joe. Puis, il dit, écoute, tu m'as donc bien recommandé une bonne place, merci beaucoup. Puis, j'aimerais ça, toi, tu le connais, c'est ton frère. Dis-moi ce que je peux y offrir. Ce serait quoi le plus beau cadeau que je pourrais donner à ton frère puis à toute sa famille? Le barman, il enligne Rémi, puis il le regarde dans les yeux, puis il dit, tu veux vraiment lui faire le plus beau cadeau? Ah oui, n'importe quoi. On est assez fin avec moi. Ben, tu... J'en venais pas. Voyons, tu la vache. Il est tombé méchant. Il sait bien que toute la famille tourne autour de la vache, puis que c'est toute leur vie, la vache. Ben, voyons, il s'en retourne de là, puis il comprend pas. Mais ça résonne dans ce « tue la vache », mais que ça n'a pas de bon sens. Puis pourtant, il était sincère. Il avait les yeux tellement sincères quand il a dit « tue la vache ». Il retourne à la maison à Joe pour passer la dernière nuit, puis toute la nuit. Apitourne d'un bord, apitourne de l'autre, il dort pas. Il fait rien que penser à ça. « Tue la vache, mais pourquoi il m'a demandé de faire ça? » Puis pourtant, ça le vire à l'envers complètement. Mais le lendemain matin, il se lève avant tout le monde, il s'en va d'un table, il tue la vache, puis il s'en va. Un coup qu'il est parti, il se demandait pourquoi il avait fait ça. Pourtant, il me l'a demandé, mais il l'a fait, mais il ne savait pas pourquoi. Puis là, le temps passe. Puis Rémi, ben, il fait d'un village à l'autre, les semaines, les mois. Le temps passe, mais il n'y a pas une journée que Rémi à Joe, puis à toute sa famille, puis à la vache, puis qu'est-ce qui est devenu avec eux autres. Puis... Au bout de 2 ans, une grosse run, Rémi, il revient à Saint-Profile. Quand il arrive, ben, en même temps, il a hâte d'aller voir Joe et sa famille, puis en même temps, il a peur de ce qu'il va trouver. Comment est-ce qu'il va être accueilli, surtout. Mais il y va. Il ne peut pas passer à Saint-Théophile sans aller voir Joe et sa famille. Ça fait, là, c'est pas qu'il s'avance. Dans la même petite rue, là, à l'autre bord du village, où était avant la maison à Joe. Puisque là, il la reconnaît, c'est bien la maison à Joe, mais elle est bien plus grosse qu'avant. Puis, en arrière, où était l'étable, il n'y a plus d'étable, une grosse bâtisse, puis en arrière, il y a un autre bâtisse, puis il y a du monde en train de construire, puis on dirait un hôtel.
Mais on revient pas, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis là, tu sais pas, qu'en s'approchant de la maison, Joe, sors sa galerie. Oh, ben si c'est pas Rémi! Viens-t'en, mon Rémi, viens-t'en! J'ai de quoi te compter! Hey, c'est Joe, ici. Ça a donc bien changé, ici. Hey, Rémi, assis-toi bien, m'a te raconter ce qui est arrivé. Tu me craindras pas. Rémi, le jour que t'es parti, t'es parti de bonne heure, on n'a pas pu te saluer, mais on comprend ça, ça aurait été triste. Ben, notre vache est morte. Ben, Rémi, je peux te le dire, moi, ça m'a jeté à terre. Ah ouais? J'étais démoli, je savais plus quoi faire. Toute ma vie s'est effondrée, moi, j'avais tout fait pour la vache. Là, allais-tu être capable de garder mes enfants, de leur donner à manger? Allais-tu que je les place dans la parenté? Et que ma femme et moi étaient découragés. Ça a pris une journée, puis là, bon, on a tout trait le lait qui restait dans le pied de la vache. Mais ensuite, on a mangé la vache. Après, bon, on était découragés, on faisait plus rien, puis là, jeune, Rémi, le plus jeune de la famille, il est venu me voir et il dit « Papa, il dit, la vache est morte. On n'a plus besoin du foin pour la vache. Je dirais si je plantais du blé là-dedans. Pourquoi je semais du blé? » Il dit « Jeune, fais ce que tu veux. T'as découragé, moi. » Je ne sais pas où ce que c'est qu'il est allé chercher ses graines de blé puis où ce qu'il y avait ces connaissances-là, mais il a le pouce vert, le tibère. Le blé qui a poussé de là, il était beau. Il était fourni du rendement comme je n'ai jamais vu. Hey, quand ma femme a vu ce beau blé, elle a la tête. Elle dit, je vais faire de la farine avec ça. Ami, on ne veut pas de moulin à farine. Mes gars n'ont pas attendu plus longtemps que ça. Commence à bâtir un moulin à farine juste à Rivière, ici, dans le bas. Le moulin était là, la farine. Rémi, de ce blé-là, première qualité, la plus belle farine que j'ai jamais eue. Quand les filles ont vu ça, ils ont dit, on va faire du pain. Rémi, on ne veut pas de four à pain, nous autres. Ça n'a pas été long. Il y en a d'autres dans la gang, dans la famille, qui sont ont fait un four à pain. Le pain qui a sorti de là, la première fournée, Rémi, ça sent à bon. On y a goûté, puis il était bon! Quand on a vu ça, ben, on est généreux de même, on est allé en porter à mon frère au village, au bord. Petit bâtisse de frère. Il s'est mis à faire goûter notre pain à ceux qui passaient dans le bord. Afin qu'ils ont retourné à la maison pour avoir du pain. On les en a vendu. Ça n'a pas été long qu'on en a manqué. On n'avait pas assez de pain. Ça fait qu'on rebâtit des fours à pain pour en faire plus de pain. Hey, Rémi, il y avait de plus en plus de monde qui se le disait qu'il était bon notre pain, puis il venait de plus en plus loin, assez loin qu'il ne pouvait pas repartir le soir. Il faisait noir. Ah, ils ont gardé à coucher. Tu te souviens, Rémi, notre maison n'est pas bien, bien grande. Fait qu'on s'est mis à la ragrandir. Il y a de mes gars, puis moi, on s'est mis à bâtir. C'était plus assez. Ça venait de plus loin, puis de plus loin, puis de plus loin, puis il restait à coucher. Bon, on s'est mis à bâtir un hôtel. Regarde-moi ça, on est encore en train de l'agrandir. Ça n'arrête plus. Hey, Rémi. Non, seulement. Le pain meilleur que mes cheveux sortaient. Non seulement on fait du bon pain, mais là, le monde, il venait de loin, il couchait, ça s'est dit. On s'est mis à manquer de place. Fait que bâti, regarde où ce qu'était la grange. On n'avait plus besoin de la grange. Fait que bâti des fours à pain, puis des fours là-dedans. Puis, hey, Rémi, ça n'a jamais arrêté. On fait du pain, puis du bon, puis ça vient de loin. Jamais. Je pensais que ma famille avait tous ces talents-là. Hey, on travaille fort, là, mais on dirait que tout le monde a la solution, puis qu'il est bon dans quelque chose pour que ça marche. En tout cas, Rémi, j'aurais pas dit ça, v'là 2 ans de ça ici, ça c'est sûr. Mais moi, te le dire à toi. Que notre vache...
pu nous faire. Ça sort, Rémi? Toi, tu comme voyageur, tu connais ça à plein, la business. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Je t'achèterais un camion avec des lumières, puis tu pourrais faire notre run de pain. Hey, avec des lumières, t'auras plus peur de passer dans la forêt de Sartiguin par grande noirceur. Hey! Puis on pourrait en mettre partout du pain. Qu'est-ce que t'en dis? Hein, Rémi, qu'est-ce que t'en dis? Marché conclu. À partir de ce moment-là, non seulement Rémi a agrandi la ronde de pain. Saint-Théophile est trop petit pour faire du pain. Ça s'est transformé et transféré à Saint-Méthode. Puis aujourd'hui, ils font du pain pour l'Amérique du Nord au grand complet. C'était ça l'histoire de la vache. Puis j'espère que dans cette histoire-là, vous avez compris que quand il va vous arriver des malheurs, parce qu'il va vous arriver des malheurs, bien, essayez de voir quelle porte s'ouvre, quelle opportunité vient de se présenter à vous autres. Si vous êtes assis ici, les quatre entrepreneurs, c'est déjà que vous en avez ouvert quelques-unes des portes. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Mais il y en aura d'autres. Puis des fois, les cadeaux sont mal enveloppés, mais ce sera toujours des cadeaux. Ben voilà. Penses-tu que les juges ont eu le temps de juger? Bien, le message que j'ai eu, c'est que les juges ont beaucoup de difficultés à départager. Bon. On se disait, ils sont juste trois, tu sais, ça va bien aller. J'en sont pas quatre. Parce que ben non, ils devaient être cinq, sérieux. Ben. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Non, ils ne sont pas prêts. Ça veut dire que ça nous laisse du temps. Ça te laisse du temps. Tu peux nous raconter une autre de tes anecdotes. Ça va nous faire plaisir. C'est bien beau le racontage, mais là, on va être rendu au chantage. Ah! Ben oui! Je parle, mais vous autres. Puis on va chanter ensemble une chanson de la bonne chanson. C'est là le bon vent. C'est facile. En plus, ils ont dit être égal, ça, être équitable, ça ne veut pas dire être égal. Je coupe ça dans le milieu de la salle, puis vous autres, vous êtes moins. Mais vous allez peut-être gagner pareil. Mais vous êtes moins. Donc, merci. C'est bon. Là, il y en a un. Puis vous autres, bien, vous êtes l'autre gang. Vous êtes plus. C'est une chanson concours. On est à une journée de concours. Pourquoi pas faire une chanson concours? Hein? Puis il va y avoir un gagnant, deux. Vous avez 50% des chances d'être dans l'équipe gagnante, 50% des chances de regarder l'équipe gagnante. Prenez l'orgueil que vous avez dans le bouton. Placez-le en bonne place. Puis vous allez répondre après moi. Tout le monde ensemble. Viens chez nous, il y a un état. Viens chez nous, il y a un état. Toi, bon. Canards s'en vont baignant. Ça fait que vous avez compris que vous faites la deuxième et que vous faites la troisième. Hey, j'ai même monté un peu de pied, on est équipés en tabardeux. Yeah! Trois beaux canards s'en vont. Ben, je vous ai dit que c'est un concours. Fait que c'est ceux qui vont chanter le plus juste et le plus fort qui vont gagner. Puis ça va être un moment donné dans la chanson, je vais vous le dire. Vous êtes prêts? Eh, monsieur! Vous êtes prêts? Oui! OK. Wow! Ben, c'est pas facile, c'est pas facile. J'ai les cheveux qui se promènent. Trois, c'est bon, on a le beat. Trois beaux canards s'en vont baignant. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Trois beaux canards s'en vont baignant. Trois beaux canards s'en vont baignant. Du rouet s'en va chassant. Oh! V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle. V'là le bon vent. Le joli vent, et v'là le bon vent, mamie m'attend. Le fils du roi s'en va chassant. Le fils du roi
avec son grand fusil d'argent. Oh! Hey, là, le bon vent! Hey, là, le joli vent! Hey, là, le bon vent! Mamie m'appelle! Hey, là, le bon vent! Hey, là, le joli vent! Hey, là, le bon vent! Mamie m'attend! Avec son grand fusil d'argent! Puis au le noir, tu as le blanc! Oh! Oh, le bon vent! Hey, là, le joli vent! Hey, là, le bon vent! Mamie m'appelle! Hey, là, le bon vent! Hey, là, le joli vent! Le bon vent, mamie m'attend. Vise le noir, tu as le blanc. Oh, fils du roi, tu es méchant. Oh, le bon vent, le joli vent. Le bon vent, mamie m'appelle. Le bon vent, le joli vent. Le bon vent, mamie m'attend. Oh, fils du roi, tu es méchant. Blanc. Oh, blanc, bon vent, le joli vent, le bon vent, mamie m'appelle, le bon vent, le joli vent, le bon vent, mamie m'attend, à boire tu es mon canard blanc, par-dessous l'aile, il perd ton sang. Le joli vent, le bon vent, mamie m'appelle, le bon vent, le joli vent, le bon vent, mamie m'attend. Par-dessous l'aile, il perd son sang. Par les yeux, lui sortent des diamants. OK, c'était là le concours. Je vous ai un peu pris par surprise. Ça fait que, pour être certain, de donner tout ce que vous avez, puis qu'on va trouver ceux qui chantent le plus fort et le plus juste, levez-vous debout, ça chante bien. Hey! Vas-y, tout le monde, tout le monde. C'est ça. C'est... OK. Par les yeux, lui, sortent des diamants. C'était là. Vous allez la garder, la deuxième. Assoyez-vous pas, vous. Que je vous voyez pas vous asseoir. On garde la deuxième, la troisième. Vous allez voir, ça, fait, ça rend les curés jaloux. Ils ont plus ça. Fait que... Par les yeux, lui, sortent des diamants. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais, mesdames et messieurs, aujourd'hui, ceux qui ont chanté le plus fort, c'est vous autres! Mais, soyons honnêtes jusqu'au bout. Soyons honnêtes jusqu'au bout. Ceux qui ont chanté le plus juste, c'est vous autres! Ah. Maintenant, une dernière fois, tout le monde ensemble, juste et fort. On est prêts? On est prêts? Non, non, c'est ça. C'est bon, l'action, c'est bon. Par les yeux, lui, sortent des diamants. Oh, oh, oh. Et le bon vent, et le joli vent, et le bon vent, mamie m'appelle, le bon vent, et le joli vent, et le bon vent, mamie m'appelle, le bon vent, et le joli vent. Le bon vent, mamie m'appelle, le bon vent, le joli vent, le bon vent, mamie m'appelle. Le bon vent, mamie m'attend. Oh, bravo! Vous êtes extraordinaire. Ben, merci infiniment. Il n'y avait pas marqué ça dans mon contrat qu'on avait un workout dans l'après-midi. Merci à tout le monde. Vraiment, je ne m'attendais pas à une participation aussi endiablée. J'espère que ça a été filmé. Ça doit être l'hydromel là, qui a distribué là, tantôt. Là. C'est ça qui est... là, je pense qu'on va les forcer à prendre une décision. Ah, c'est fait? Bon. Fin de demi-heure. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que vous avez entendu nos finalistes, hein, ce sont
tous des gens très, très inspirants, passionnés, déterminés. On a tous envie de leur faire confiance à chacun des finalistes. On sait que c'est des gens qui vont réussir dans la vie. Et je ne voudrais pas être juge non plus. Là. En effet. Parce que on sait que quand on décide, on peut se tromper. C'est tellement juste. D'ailleurs, je vais remettre à M. Tremblay, j'en profite, là, pour vous parler du coup de cœur. C'est M. Tremblay qui va le dévoiler tantôt, mais on m'a dit que ça aussi, ça a été très, très difficile à départager, mais finalement, on a été plus vite que les juges, mais c'était plus facile. Il y avait des coches à trier, c'était moins pire. Claude, on va être vraiment certainement d'accord là-dessus. Peu importe l'ordre et ceux qui seront quatrième, troisième, deuxième, premier, les quatre entreprises, les quatre entrepreneurs qui ont été ici, qui sont présents, vous êtes déjà tous des gagnants parce que c'est vrai, puis on le dit toujours, c'est cliché, mais c'est incroyable la qualité de ce que vous nous avez présenté, la qualité des gens et des entrepreneurs que vous êtes. Et pour ça, ben, les autres, chapeau, on peut tous les applaudir. En tout cas, moi, c'est sûr que si j'ai des invitations, je vais les accepter. Oui. C'est ça qui est le fun de la retraite. Hein? On peut accepter plus d'invitations. Alors, vous avez fini votre job ingrate. Oui. Réussir à départager des finalistes d'une telle qualité, ça n'a pas été facile, je comprends. Bien, j'avoue que pour nous autres, là, ça a été une des années plus difficiles. Tu sais, tous les dossiers étaient serrés, fait que ça n'a pas... On ne s'est pas chamaillé, c'est pas si pire, hein? Ça a bien été. Fait que cette année, vous allez gagner votre paye. Ah oh non, vous n'avez pas de paye, c'est vrai. C'est ça. Ah non, nous autres, c'est transmettre du bonheur, on espère. Bien, c'est ça à la fin que... Fait que je vais inviter nos invités spéciaux à venir nous rejoindre sur la scène pour la remise des prix. On va procéder dans l'ordre, là, à partir du quatrième jusqu'au troisième. Et ensuite, on va départager qui est le premier dans les deux derniers. Et je crois que c'est, encore une fois, c'est David qui est le représentant des juges qui va nous annoncer. Oui. Fait que là, on va commencer par... On a d'ailleurs un nouveau que je devrais vous présenter, un nouvel invité, M. Rémi Carrier. C'est notre agriculteur urbain et il y a une grande importance pour le concours sur les traces de Louis Hébert parce que c'est notre premier lauréat. C'est lui qui a... Yeah. Comme on dit, c'est lui qui a ouvert le chemin dans les traces. Et j'espère continuer encore longtemps. Bien, merci, Rémi. Puis c'est toi qui vas remettre le prix là, pour la quatrième place. Donc, je vais inviter David. Vous j'allez en avant? Bien, c'est toi qui nous annonce les... OK. Alors, nous autres, la façon qu'on a procédé, en accord avec l'organisation, on va nommer la quatrième place. On va nommer des points positifs. Puis des choses peut-être qu'on recommande d'améliorer, justement, pour la quatrième place. Ça fait qu'on y va. Alors, en quatrième place de cette sixième édition du concours sur les traces de Louis Hébert, le beau chaos. Beau chaos. Ça sent. Alors... Alors, le jury a été... OK, on va attendre. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore une fois? Alors, le jury a été... a été très touché par ta passion.
C'était très original, ton idée d'offrir d'autres variétés de fleurs. Ça, c'était vraiment très, très intéressant. Ça a bien ressorti. Merci. Puis, on a trouvé aussi que le projet était très cohérent avec tes valeurs à toi que tu sembles projeter, puis avec la belle énergie que tu sembles avoir. Des petites choses, par contre, à améliorer, tu sais, c'est juste des petites recommandations, tu sais. Remarque, on n'est pas à ta place. Peut-être revoir la mise en marché, peut-être revoir ta mise en marché puis ton persona. Okay. Ça, peut-être, ça serait à revoir. On était moins convaincus un petit peu. Peut-être aussi peaufiner puis préciser certains éléments de ton projet, les phases de ton projet puis tout ça. Ça, je pense que ça pourrait être des choses qu'on pourrait te recommander là, dans l'avenir là, au niveau de ton projet. Mais de, somme toute, félicitations. Merci beaucoup. Merci. À la troisième place. Troisième place? Hey, ça en vient corsé. C'est donc bien le fun. Alors, troisième place. J'aime ça, ce moment de silence-là. C'est le fun. La Joyeuse. Donc, Virginie Simard, là, je ne sais plus quel chapeau il est attribué parce qu'elle en a beaucoup par intérim, de la financière agricole qui va remettre le prix. Alors, le jury a été très séduit par la cohérence de votre projet avec la conciliation travail-famille, l'aspect aussi de consommer local. Ça nous a vraiment, c'est venu nous chercher. On a aimé aussi l'aspect que vous voulez démarrer de manière progressive, de manière prudente. Ça, on a trouvé ça bien aussi, là, de ne pas partir en fou. Puis ce qui nous a vraiment aussi marqué, ça a été votre passion aussi que vous dégagez, là. Vous, comme couple entrepreneur, puis votre connaissance du domaine d'activité aussi, là, ça semblait vraiment intéressant. Puis on vous souhaite sérieux le meilleur des succès. Puis des petites choses peut-être qu'on vous recommande. Peut-être de travailler un petit peu l'identification de votre clientèle. C'était pas tout à fait clair, là, mais peut-être pour vous aussi. La mise en marché, peut-être revoir votre mise en marché. Peut-être au niveau de la commercialisation, là, il y a peut-être des choses là, à revoir. Là. De toute façon, vous allez vous ajuster, vous l'avez mentionné. Puis aussi revoir la séquence de route de certaines étapes de votre projet. Donc, parce que là, on parle de production de légumes, et des œufs, produits d'acéricoles, et aussi de l'agrotourisme. Ce serait peut-être de mettre de l'ordre là-dedans un petit peu, là, puis de voir dans quelle séquence vous allez projeter là, ce démarrage-là. Et somme toute, félicitations. Merci. Bon, ben, on est rendu au moment critique, je dirais. Parce que là, vous vous attendez à ce qu'on vous nomme la deuxième place dans l'ordre, mais on va plutôt, parmi les deux derniers candidats, nommer celui qui remporte vraiment la première place. Pour commencer. Bon. Le premier, et non le moindre, c'est le verger. Yes. J'ai eu un moment d'hésitation. Félicitations. Ça fait drôle d'annoncer le premier avant le deuxième. C'était une première. Merci. Yes. Alors, vous nous avez vraiment impressionné par la qualité, un, de votre plan d'affaires, parce que ça valait quand même un gros pourcentage de la note finale aussi. Votre plan d'affaires, on l'a trouvé très complet. Il y avait une vision à long terme. Les prévisions, ils étaient très cohérentes et il y avait une bonne vision à long terme aussi. Fait que c'était très précis. Il avait été très bien monté en passant votre plan d'affaires. On a trouvé aussi que votre projet, il y a du potentiel, beaucoup. Il y a beaucoup de flexibilité, puis vous avez beaucoup de plan B. Donc, la terre vous appartient, fait que vous nous avez très bien répondu quand vous avez dit, ben là, ça ne peut pas faire avec les pommes, on peut faire d'autres, ou les cerises, on peut faire d'autres choses. Et ça aussi, c'est venu nous chercher également, parce que
il y a beaucoup de possibilités, effectivement, à faire de votre côté. Peut-être des petits points améliorés. On en a noté deux. Globalement, c'est la commercialisation de vos produits. Ça va être à revoir, au niveau de la cerise que des produits de la pomme. Puis de savoir bien s'entourer là, d'une bonne équipe là, autour de vous. Là. Mais le reste, on vous souhaite que le succès et le bonheur. Fait que, félicitations. Donc, vous comprenez qui est maintenant fini en deuxième place, David? Il n'y a pas de roulement de tambour? Non? OK. Attends. C'est Abeilles! C'est la maison des abeilles. Félicitations! Le jury a trouvé M. Talusier. C'est Talusier? Oui. Ouais. On a trouvé qu'il avait un beau plan d'affaires, projet réfléchi, ambitieux même, très ambitieux. Tu as su t'entourer d'une bonne équipe. C'est un projet qui a un énorme potentiel de développement, selon nous également. Là. S'il voit le jour, là, on te le souhaite énormément. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de projets à faire. Ça m'amène à un petit point amélioré ou deux. Là. Peut-être ton caractère distinctif de tes produits d'hydromel. Tu as eu de la difficulté à nous convaincre là-dessus, là, de qu'est-ce qui faisait que ton hydromel, elle peut être meilleure ou elle peut se distinguer d'un autre produit similaire. Ça, c'est à revoir, l'aspect distinctif de tes produits. Puis également, là, on parlait de beaucoup de projets à faire en peu de temps. Revoir la séquence aussi de route, de l'agencement de tes étapes de ce projet-là. On parlait de l'autobus, on parlait de l'agrotourisme, on parlait des tours scolaires, on parlait de la production d'hydromel, tes abeilles et le miel, etc. Mais ça, le reste, c'est un super de beau projet. On te souhaite aussi la meilleure des succès. Là. Félicitations. Merci. Je pensais s'en tirer, mais je vais quand même inviter nos lauréats, notre première place, à nous dire un petit mot. Je vais pas bouger, je vais laisser le micro ici cette fois-là. merci beaucoup. Merci de croire en nous. C'est une belle tape dans le dos. Ça fait 2 ans qu'on travaille fort. On a hâte au printemps 2023 pour faire la plantation. Puis je pense que c'est juste du positif qui s'en vient dans le futur. Puis au nom de mon conjoint aussi, je ne sais pas si tu as quelque chose. Merci énormément de croire en nous. Puis on est capable de. On va aller loin. Merci. Monsieur Tremblay, il nous reste un dernier prix à remettre. Laissez M. Tremblay vous l'annoncer, notre prix coup de cœur. En fait, c'est tout nous qui avons décidé, hein, les membres qui sont là. De l'audience. On n'a pas regardé votre plan d'affaires et quoi que ce soit, puis je suis persuadé qu'ils étaient tous parfaits. Et si on parle de coup de cœur, bien, on va parler des fleurs. Alors, c'est Cassandre Masson qui remporte. Merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup de savoir qu'il y a des gens qui croient en mon projet autant que j'y crois. Donc, très hâte de vous offrir des fleurs dès l'été prochain. Merci. Bravo. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Merci à notre colonisateur, notre premier seigneur, hein, parce que c'est le premier seigneur du Canada. C'est pas rien. Merci à tous pour votre participation. Merci au comité organisateur aussi, qu'on
qu'on ne remercie pas assez souvent, Catherine Vignon. Diane Martineau. Jonathan Tremblay. Sharon Boisvert. Et le dernier, et non le moindre, Sylvain Leclerc, notre directeur. Et donc, Catherine est de l'UPA, de régionale, capitale nationale Côte-Nord. Diane est de la MRC de Portneuf. Jonathan est de la financière agricole. Sharon est du MAPAC. En tout cas, dernièrement, c'était du MAPAC. Et Sylvain, bien, c'est notre directeur du réseau Agri-Conseil, capitale nationale Côte-Nord. Merci à vous autres, c'est très agréable. Puis je sais, pour participer de loin, tout le travail que vous avez à faire pour organiser une petite journée comme ça. Je vous donne toutes mes félicitations. Fait que mon mandat se termine là. Moi, je passe la parole à Jonathan maintenant. Ça ne sera pas tellement long. Là. Je veux juste qu'on applaudisse nos animateurs. Là. C'est une job super importante. Ça garde tout le monde intéressé. Puis, fait qu'un gros merci à Claude et à M. Hébert. Merci. Bravo, Claude. C'est ça aussi, on s'en va au pub universitaire. Là, si jamais vous voulez venir pour un petit drink, on a des coupons qu'on va vous remettre pour une consommation gratuite. Donc, je vais aller voir Catherine. Ici. C'est juste ça. Je vous remercie beaucoup. Donc, bon après-midi. Bravo. Voulez-vous une photo toute au moins les quatre ensemble? Je pense que. Est-ce qu'on. Pas être trop serré là, allons directement devant le grand écran, si vous voulez. Il n'est pas merveilleux. Où est-ce, c'est où la meilleure place? Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci.